Et en hommage à Pierre Bourdieu, Les Chemins de la Connaissance rediffuse les entretiens qu'il avait accordés à l'historien Roger Chartier. Premier volet aujourd'hui, cette parole particulière qui est justement l'entretien. Ça ne doit pas être très facile d'être sociologue parce que quand on regarde la manière dont ton travail est reçu, il y a un lot de contradictions formidables qui viennent sous les plumes et dans les esprits et qui d'ailleurs m'ont effrayé un peu à la proposition de cet entretien, parce qu'alors quand même de deux choses l'une, est-ce que la sociologie s'est fait pour mobiliser les masses ou désespérer Billancourt? Est-ce que c'est à la fois une écriture illisible, tellement complexe qu'on ne peut pas la pénétrer, et qui serait dans l'inverse donnant un message particulièrement clair et pour certains trop subversif? Et enfin, finalement, comment est-ce que la sociologie peut prétendre, on en a l'impression parfois, à être une sorte de science dominante, alors que il me semble que par tout ce que tu dis, tu l'as déconstruit en tant que discipline. Donc c'est peut-être à partir de toutes ces contradictions qu'on peut engager cet entretien, parce que ça met en jeu finalement, et qu'est-ce que c'est que la sociologie, qu'est-ce que c'est qu'être sociologue, et le rapport d'autres qui, comme les historiens auxquels j'appartiens, se trouvent confrontés à ce monstre multiforme et un peu inquiétant. Oui, je pense que la sociologie dérange et le sentiment un peu obsidional que je pourrais éprouver en tant que sociologue est malgré tout neutralisé par la contradiction même des attaques. Enfin, bon, je pense que en particulier les accusations de type politique, enfin bon, que dont la sociologie est l'objet, ont au moins cette vertu d'être contradictoires. Bon, et de ce fait, elles permettent de vivre. Bon, il est vrai que la sociologie n'est pas toujours facile à vivre. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est une discipline qui parle fort de réflexivité qu'elle apporte sur les autres, en même temps implique celui qui l'a produit dans le champ même qu'il est en train de décrire, et que par là, elle n'est pas facile à vivre, non seulement parce qu'elle renvoie aux autres une image que peut-être ils ne supportent pas, mais aussi que parce qu'elle implique celui qui l'a produit dans l'analyse elle-même. Oui, j'ai l'expérience d'une situation lorsque, par exemple, je vais parler de sociologie à des non-sociologues, à des non-professionnels, je suis toujours partagé entre deux stratégies possibles. La première qui consiste à présenter la sociologie comme une discipline académique, enfin comme s'il s'agissait d'histoire ou de philosophie. Et dans ce cas, bon, j'obtiens un accueil intéressé, mais précisément académique, ou bien je cherche à exercer l'effet spécifique de la sociologie, c'est-à-dire je cherche à mettre mes auditeurs en situation d'auto-analyse. Et à ce moment-là, je sais que je m'expose à devenir le bouc émissaire, finalement, de l'assistance. Bon. Par exemple, j'ai eu une expérience il y a 2 ans à Bruxelles. Bon, j'étais allé à la Philharmonique de Bruxelles, invité par un responsable d'une association des amis de la Philharmonique de Bruxelles, qui très gentiment, mais un peu naïvement, m'avait demandé de venir exposer mes visions, mes représentations de l'art, de la musique, etc. Et jusqu'au dernier moment, je me rappelle très bien, dans la voiture, enfin, nous partions dans la nuit, etc. Je lui disais, vous savez, vous ne vous rendez pas compte, vous me faites faire quelque chose d'épouvantable, ça va être dramatique, il y aura des incidents, je vais me faire insulter. Et il pensait que j'avais comme ça le trac ordinaire du conférencier. Et ensuite, enfin, ce que je craignais est arrivé, ça a été un véritable happening, et pendant 8 jours, on n'a parlé que de ça dans le milieu intellectuel à Bruxelles, et un de mes amis a entendu dire que, par un des participants, que depuis les surréalistes, il n'avait jamais entendu un débat aussi mouvementé extraordinaire qu'à cette occasion. Or, j'avais dit des choses tout à fait anodines, euphémisées, neutralisées, j'avais pris des précautions, j'avais en point de mire dans l'assistance une vieille dame très bien habillée avec son sac à main sur les genoux, un petit peu comme au Collège de France. Bon. Et j'avais un souci extrême de ne pas être choquant un seul instant. Donc je fémisais au maximum. Mais malgré ça, je pense que la vérité sociologique, enfin je mets vérité, mon hésitation marque des guillemets, hein, la vérité sociologique a une telle violence, bon, qu'elle blesse, enfin, elle fait souffrir.
Et du même coup, les gens se libèrent cette souffrance en la reprojetant sur celui qui est apparemment la cause. Enfin, là, c'est la différence sans doute avec l'histoire qui parle de mort, et peut-être l'ethnologie qui parle de sujets qui ne sont que très rarement, ou dans des circonstances uniquement exceptionnelles, mis en confrontation avec le discours qui parle d'eux-mêmes. Oui, ben là encore, je peux répondre par un exemple, et c'est une anecdote que je trouve assez drôle. Un de mes collègues au Collège de France, qui est un membre éminent de l'Institut, me disait que mes travaux avaient suscité certaines résistances chez certains des membres de l'Institut, même des résistances certaines. Et parmi les travaux, le plus choquant était un article que j'ai publié sous le titre « Les catégories d'entendement professoral », en mettant beaucoup d'ironie. Alors ça, c'est une parenthèse, mais très souvent, des choses que j'écris en riant. Enfin, malheureusement, il n'y a pas de signe pour exprimer le rire par écrit. C'est une des grosses lacunes de la symbolique graphique. Bon, donc j'avais donné ce titre, les catégories d'entendement professoral, et dans cet article, j'analysais d'une part des appréciations données par un professeur de Cagnes, de Fénelon, à propos des dissertations de ses élèves, et d'autre part, les nécrologies d'anciens élèves de l'École normale supérieure. Bon, et cet éminent collègue, au demeurant égyptologue, me disait, vous savez, tout de même, vous avez pris pour objet des nécrologies. Et je lui dis, mais enfin, mon cher collègue, comment pouvez-vous me dire ça? Quel est votre objet, sinon des nécrologies? Bon, autrement dit, ça, je pense, ça fait tout très bien sentir l'écart entre la sociologie et l'histoire. Enfin, beaucoup de choses qui sont accordées comme allant de soi à l'historien, qui sont même considérées comme des prouesses. Si, par exemple, un historien découvre des relations cachées, des liaisons, comme nous disons, bon, entre tel personnage historique et tel autre personnage historique, bon, on le loue et on voit ça comme une découverte. Alors que si je publiais, par exemple, le dixième de ce qu'il faudrait dire, d'ailleurs, pour comprendre le fonctionnement de l'univers universitaire, du champ académique, je serais considéré comme un délateur monstrueux. Donc, et d'autre part, je pense la distance temporelle, bon, a une vertu que tout le monde connaît, de neutralisation, etc. Mais dans le cas de la sociologie, enfin, nous sommes toujours sur des terrains brûlants et les choses dont nous débattons sont vivantes, ne sont pas mortes et enterrées. Oui, c'est pour ça qu'on avait pensé que ce premier entretien pouvait être centré autour des effets politiques du travail intellectuel, et en prenant le cas de la sociologie, essayer de montrer comment peut-être s'est déplacée dans la scène intellectuelle française la figure de l'intellectuel, en gros, en partant d'une figure un peu prophétique, messianique, dénonciatrice à un niveau macroscopique de la société, globalement. Peut-être que le nom de Sartre pourrait emblématiser ce type de discours, le Sartre de l'après-guerre, vers un travail qui est un travail d'un autre ordre. Il y a une formule de Foucault que je trouve toujours très, très frappante. Il disait que son travail, c'était finalement essayer d'écailler quelques évidences, quelques lieux communs. Et il me semble que là, il y a une assez grande proximité sur ce plan-là. C'est presque une formule que tu pourrais reprendre à ton compte. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est un des points d'accord total. D'une part, la répudiation de la grande figure de l'intellectuel total, comme je l'appelle, c'est-à-dire dont l'incarnation par excellence est Sartre, c'est-à-dire l'intellectuel qui remplit un rôle prophétique. Max Weber dit que le prophète est celui qui répond totalement à des questions totales, à des questions de vie ou de mort, etc. Et je pense que le philosophe, dans son incarnation sartrienne, enfin, est une figure prophétique, au sens rigoureux du terme, c'est-à-dire qui répond globalement à des problèmes existentiels, vitaux, politiques, etc., etc. Bon, et ça, je pense que c'est pour notre génération, en partie parce que nous étions un peu accablés et fatigués de ce rôle total, pour notre génération, il est inconcevable, de chausser les bottes de Sartre. Bon. Et je pense que pour parodier la formule de Malraux, nous voulons donner la monnaie de l'absolu, c'est-à-dire on ne peut plus répondre à tout, il faut répondre partiellement à des questions partielles, délibérément constituées comme partielles, mais y répondre complètement, aussi complètement que possible dans l'état des instruments de connaissance. Bon. Et cette sorte de redéfinition minimisante de l'entreprise intellectuelle, et je crois très importante, parce que c'est un progrès dans le sens d'un plus grand sérieux à la fois scientifique et politique. Et alors là, c'est ce que j'ajouterais peut-être par rapport à Foucault, mais j'ai une conception assez militante de la science, ce qui ne veut pas dire engagée du tout. Enfin, je pense que la science sociale, qu'elle le sache ou non, qu'elle le veuille ou non, répond à des questions extrêmement importantes. Enfin, bon, et en tout cas, elle les pose, et elle a le devoir de les poser mieux qu'elle ne se pose dans le monde social ordinaire,
rien. Par exemple, mieux qu'elle ne se pose dans le milieu des journalistes, mieux qu'elle ne se pose dans le milieu des essayistes, mieux qu'elle ne se pose dans le milieu de la fausse science. Enfin, bon. Alors, et donc, le travail de... Tu n'es pas sur un terrain un peu dangereux, là, avec la notion de science. J'ai lu quelque part qu'on parlait de jdanovisme new look, non? C'est pas... Oui, alors justement, comment est-ce qu'on peut constituer la définition de ce qu'on entend par science sans retomber dans des errements qui distinguaient sans aucune ambiguïté, parce qu'une autorité avait en charge cette distinction, la science de la non-science. Oui, alors justement, là je pense que c'était un des grands malentendus entre, par exemple, moi-même, enfin, et ce que j'essaie de faire, et beaucoup de mes contemporains, des gens de ma génération, bon, qui sont nés, en quelque sorte, à la vie intellectuelle et politique, à l'époque précisément du jdanovisme, enfin, et qui à l'époque étaient jdanoviens, alors que j'étais anti-jdanovien, je crois que c'est une coupure importante, bon, et qui croient reconnaître dans le travail que fait la sociologie ce qui se pratiquait sous le nom de science au temps du stalinisme. Bon, et en particulier cette coupure science et idéologie que je n'ai jamais reprise à mon compte, que je conteste radicalement, qui est une coupure mystique, enfin, qui a été reprise, que c'est pas par hasard, par des philosophes, et jamais par des scientifiques. Les praticiens. Par les praticiens de la recherche. Bon, cette coupure était évidemment, avait une fonction tout à fait analogue à celle qu'on trouve dans les discours religieux et prophétiques. Enfin, elle permettait de séparer le sacré et le profane, c'est-à-dire les sacrés et les profanes. Le prophète sacré et les profanes. Bon, ça, je trouve ça détestable. Alors, bon, je pense que on est fondé à parler de science, même si notre science est incoative, débutante, balbutiante, etc. Il y a malgré tout une séparation de nature entre l'effort scientifique que fait l'historien, l'ethnologue, le sociologue ou l'économiste, et ce que fait, par exemple, le philosophe. Enfin, nous travaillons à être vérifiables ou falsifiables. Bon, je peux évoquer c'est une expérience radiophonique. Un jour que je venais discuter, tu étais d'ailleurs là, avec Lévy Le Boyer. Bon, je venais discuter son dernier livre sur le patronat. Je venais d'écrire un article sur le patronat. Il est arrivé, je ne me rappelle plus si c'était hors antenne ou in. Bon, et il m'a dit, vous savez, mon cher collègue, j'ai regardé votre enquête, j'ai pris vos chiffres, j'ai refait les statistiques et nous ne sommes pas d'accord. J'ai dit, mais comment est-ce possible? Comment avez-vous fait? Ah oui, je n'ai pas introduit les banquiers. J'ai dit, voilà, c'est la cause. Bon, alors là, nous avons discuté sur la construction d'objets, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tuer le patronat sans y introduire les banquiers, c'est un problème tout à fait de discussion scientifique, et cela étant dit, il pouvait refaire ses statistiques et retrouver les mêmes résultats que moi. Bon, alors voilà le genre de choses qui, me semble-t-il, me permettent de parler de science, alors étant entendu que quand je dis science, je dis que on peut me réfuter avec des arguments scientifiques, mais jusqu'à présent, c'est encore à faire, alors ça j'en profite pour dire ça parce que j'y tiens beaucoup, jusqu'à présent, j'étais l'objet d'attaque, bon. Mais jamais de réfutation au sens rigoureux du terme. Je dirais que une des raisons de ma tristesse, enfin, c'est que dans le champ intellectuel français, j'ai beaucoup d'ennemis, mais je n'ai pas d'adversaires, c'est-à-dire des gens qui feraient le travail nécessaire pour poser une réfutation. Alors, je sais qu'à Paris-Ca, on me répond, mais ça, c'est totalitaire, puisque vous êtes irréfutable. Pas du tout. Pour me réfuter, il faut se lever de bonne heure, il faut travailler. Alors, c'est un peu arrogant, hein, mais... Acceptons le travail, acceptons le travail. Je crois qu'il y a, dans ce travail, bon, pour revenir à notre point de départ, qui était cette manière d'écailler les certitudes, pour reparler comme Foucault, il y a une phrase que tu emploies dans Question de sociologie, qui est à peu près parallèle, c'est détruire les automatismes verbaux et mentaux. Dans ce travail qui vise à rendre problématique ce qui apparaît comme donné de soi ou comme allant de soi dans le monde social, toutes ces coupures que l'on donne sous le mode de la nature, ça ne peut pas être autrement, ça a toujours été et comme ça, je crois qu'un des axes les plus aigus de la recherche, c'est de montrer que c'est construit, que c'est au milieu d'enjeux, que ça dépend de rapports de force, etc. Et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, que, en dehors des sociologues, les historiens et d'autres peuvent avoir cette lecture, qui est la lecture de ton travail, à la fois d'adhésion et de critique, de distance et de respect. Et c'est, je crois, un peu le sens de cet entretien qui va se dérouler sur plusieurs séquences. Le point de cet écaillement des certitudes dans ce domaine-là, un des lieux où je crois que tu l'as mené le plus avant, c'est sur ce problème des frontières, le problème des partages, des découpages. Et ici, on peut dire que école a été faite, parce que les historiens aussi se sont confrontés maintenant à ce qui paraissait des catégories à en soi. Je prends des exemples. À un moment donné, on peut croire que la coupure entre les jeunes et les vieux, ça appartient à la nature. Il y a effectivement biologiquement des gens qui sont jeunes et des gens qui sont vieux. Ou bien des frontières dans des régions. Il y a
clairement des limites administratives ou territoriales qui font que l'on est dans la France du Midi ou dans la France du Nord, ou des groupes sociaux. Il y a objectivement des catégories, l'INSEE en produit tous les jours et d'autres instituts produisent des grands classements qui fait qu'il y a des classes moyennes, des patronats, des salariés, etc. Je crois que, sans me tromper, que c'est là ce qu'il faut construire dans sa dynamique historique. Pourquoi tel découpage et à qui il sert ? Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et je pense que un des apports de mon travail, ça a été, et c'est pourquoi je suis toujours très surpris, enfin quand il est décrit comme dogmatique, terroriste, etc., a été de retourner sur la science elle-même le regard scientifique. Et par exemple, au lieu d'utiliser sans hésitation ni réflexion les classifications professionnelles, par exemple, de les prendre pour objet d'analyse. Alors, le paradoxe, c'est que, par exemple, les historiens, bon, je pense que nous avons la meilleure école historique du monde, c'est pas un compliment verbal, bon, il reste que les historiens sont souvent d'une naïveté extraordinaire dans l'utilisation des catégories. Par exemple, on peut faire des statistiques longitudinales, comparant le statut des médecins depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, j'invente peut-être l'exemple, mais bon, et sans se dire que la notion même de médecin est une construction historique qui n'a pas cessé de changer, que, autrement dit, ce sont les catégories même avec lesquelles on construit l'objet historique, qui devrait être l'objet d'une analyse historique. Bon. Bon, la même chose à propos des termes même avec lesquels nous parlons de la réalité. Par exemple, on parlera de politique. Bon. La politique, bon, c'est tout à fait une notion historiquement constituée, qui est constituée très très récemment. L'univers que j'appelle le champ politique, etc., c'est quelque chose c'est une invention pratiquement du 19e siècle. Enfin bon, dont on pourrait discuter, les historiens, je ne veux pas m'aventurer trop, je suis en face d'un historien redoutable. Mais je pense que donc toutes ces notions, tous les mots, les concepts, enfin, que nous employons pour penser l'histoire, bon, sont historiquement constitués et, bizarrement, par exemple, les historiens sont sûrement les plus portés à l'anachronisme. Parce que soit pour faire moderne, soit pour rendre leur travail intéressant, soit par négligence, ils emploieront des mots, actuellement en cours pour parler de réalités dans lesquelles ces mots n'avaient pas cours ou bien avaient un autre sens. Voilà des exemples. Alors, je pense que cette réflexivité est extrêmement importante. Mais ce que tu dis là, la diachronie, c'est-à-dire sur le long terme, on pourrait le dire aussi dans le monde social contemporain, les mêmes mots peuvent être employés par différents groupes, par différents milieux et n'ont pas le même sens. Et un des pièges de cette sorte de nominalisme qui consiste à parler en termes de catégories qui seraient valables pour tous ou reprenons l'exemple du politique, je crois qu'un des points intéressants c'est de montrer comment la construction même de ce qui est politique n'est la chose la moins partagée du monde. Absolument. Et qu'à partir de ce moment-là on est dans le complet contournement. Je crois que c'est un des points qui t'a opposé sur statisticien ou au sondeur professionnel quant à la pertinence de tous ces sondages dont on nous abreuve à longueur de journée en essayant de montrer que les non-réponses ou que même des réponses qui, si elles sont formulées à partir de lieux sociaux différents, n'ont des sens absolument incompatibles les uns avec les autres. Oui, alors je pense que cette sorte d'anachronisme que commettent les historiens, chez les sociologues, ça prend la forme on pourrait dire, d'un ethnocentrisme de classe. C'est-à-dire qu'ils tendent à toujours la même erreur, qui consiste à universaliser le cas particulier. C'est-à-dire, je prends mes propres catégories de pensée, mes principes de classement, mes systèmes de classement, mes taxinomies, mes divisions en masculin, féminin, chaud, froid, sec, humide, haut, bas, etc., classe dominante, classe dominée, n'importe quoi, et je les universalise. Bon, alors ça donne dans le cas l'anachronisme, dans le cas l'ethnocentrisme, mais dans tous les cas, c'est le fait de ne pas interroger ses propres systèmes d'interrogation. D'où je reviendrai à mon article « Les catégories d'entendement professoral ». Et en fait, si j'avais un modèle théorique, ce serait le modèle kantien, bon, qui consiste à soumettre à la critique réflexive les instruments avec lesquels on pense la réalité. Bon, dans mon travail « Les catégories d'entendement professoral », je pense que c'est l'illustration la plus parfaite. J'essayais de déterminer les oppositions que les professeurs emploient pour évaluer un travail d'un élève ou pour évaluer leurs collègues disparus. Bon, d'ailleurs, ce sont les mêmes. Bon, et ces catégories donc de perception sont celles avec lesquelles ils évalueront aussi un livre. C'est celles qu'ils vont employer inconsciemment pour lire les livres dans lesquels j'analyse ces catégories. Bon, et par exemple, on dira un des obstacles à la lecture de la sociologie, que la sociologie est vulgaire. Bon, je reprends le vieux vocabulaire qui est dans Cicéron. Il parlait de philosophia plebeia.
C'est pas parce qu'elle parle du peuple, la sociologie, qu'elle est vulgaire, c'est parce qu'elle est au plus bas dans la hiérarchie des sciences. Elle parle aussi du peuple plus que d'autres. Enfin, là, on pourra revenir sur ce point. Mais je pense que ces catégories de pensée très profondément intériorisées, qui sont liées par exemple, à la hiérarchie des disciplines dans le système scolaire, bon, les disciplines pures, comme les mathématiques, sont plus hautes que les disciplines impures, comme la chimie ou a fortiori la géologie. De même, la philosophie est plus haute que la géographie. Bon, c'est toujours la Terre. Toujours... L'histoire est entre les deux. L'histoire est entre les deux. L'histoire est à mi-chemin. Bon, alors, ces oppositions sont extrêmement structurantes. Enfin, elles déterminent même les choix des œuvres, c'est-à-dire ce qu'on publie, ce sur quoi on écrit. Plus on est ambitieux, ce qui veut dire souvent plus on est d'origine sociale élevée, et plus on a une consécration scolaire grande, plus on prendra des sujets vastes, mondiaux, œcuméniques, théoriques, etc. Bon, voilà, toutes ces choses que les intellectuels devraient objectiver, en fait, manipule la pensée intellectuelle. Alors quelqu'un qui dévoile tout ça, non pas du tout pour embêter les autres, mais pour se contrôler lui-même, dérange presque par définition. Je dirais se dérange aussi lui-même parce que l'écriture devient aussi extrêmement tendue, extrêmement complexe. Si on pense en historien à partir de ce que tu as dit sur cette tension entre les mots qui peuvent rester comme des invariants et puis des notions qui sont construites soit chronologiquement, soit socialement de manière extrêmement diverse, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs choix possibles, je crois qu'aucun n'est vraiment satisfaisant. Soit on redouble. Et toute une partie de l'école d'histoire française a essayé d'écrire l'histoire dans les catégories ou dans le langage même des temps et des hommes dont il faisait l'histoire, ce qui a un effet de pure erreur et répétition. Soit on traduit à l'autre extrême, c'est-à-dire que tout est transposé d'un domaine dans l'autre. On peut dire que Paul Venn, quand il veut expliquer le monde romain pour montrer la différence radicale, traduit tout. Et c'est comme ça que c'est dans un langage très moderne que sont données des réalités qui deviennent familières, mais justement par cet effet de familiarité forcée, je crois qu'il espère montrer leur différence. Soit on essaye de faire fonctionner un concept qui peut être né à un moment donné, dans une circonstance historique particulière, à d'autres réalités pour le mettre à l'épreuve et aussi pour faire voir d'une manière nouvelle ces réalités anciennes. Je prendrai un exemple. On a publié sous la direction de Duby et de malheureusement maintenant décédé Ariès, cette histoire de la vie privée. Il est clair que le concept de vie privée ne peut pas être construit comme absolument contemporain de la période du Moyen-Âge ou du XVIe siècle. C'est un concept qui a ou bien des définitions antérieures, c'est un concept du droit romain, ou bien des définitions postérieures, c'est le concept de la privacy dans le monde anglo-saxon, la famille, l'intimité réduite du XIXe siècle, focalisant toute l'affectivité sur la famille. Bon, on a quand même pris le parti et le pari de le faire fonctionner sur une très longue période de temps pour essayer de mettre à l'épreuve des réalités historiques qui pouvaient peut-être surgir de manière nouvelle, et en même temps pour instrumentaliser le concept et lui montrer à la fois ses limites, sa pertinence, est-ce que parfois il faudrait pas complètement le déplacer. Mais en tous les cas, c'est un choix. Je suppose que pour le sociologue, sur le monde social contemporain, c'est le même problème. Absolument. Et beaucoup de la tension que l'on a pu voir dans ton écriture ou dans l'écriture d'autres sociologues, parfois de son obscurité, parfois de sa complexité, est liée à ça. Comment on peut rendre cette variation derrière le stable nominalement ? Oui, tout ce que tu as dit en tant qu'historien, bon, je pourrais le signer en tant que sociologue, c'est-à-dire... J'allais dire a fortiori, parce que très souvent, on reviendrait à cette opposition entre le passé et le présent. Enfin, le présent, ce n'est pas le présent temporel. C'est ce qui est encore suffisamment vivant pour être en jeu de lutte. Bon, et à ce moment-là, par exemple, la Révolution française peut être très présente. Mais nous sommes toujours dans le vivant. Et ce dont nous parlons est toujours en jeu de lutte. Donc, les mots mêmes que nous utilisons pour parler de ce dont nous parlons sont des enjeux de lutte, sont employés différemment par les agents politiques. Par exemple, bon, un des principes de la lutte politique, c'est de lutter pour des mots communs. Qui est républicain ? Tout le monde est républicain en période d'élection, ça sera la discipline républicaine, la solidarité républicaine, etc. Bon, tout le monde est au centre, tout le monde doit avoir le centre. Enfin bref, il y a des mots dont on sait qu'ils doivent leur prix, finalement, dans la lutte, au fait qu'ils sont enjeux de lutte. Bon. Et nous, pour parler donc de ces luttes, et dans tous les univers que j'appelle des champs, ces espèces
de petits univers, de petites arènes, enfin bon, où on joue à des choses différentes. Ça va être le champ scientifique, le champ politique, etc., ou le champ des historiens, ou le champ des sociologues, etc. Dans chacun de ces univers, bon, il y aura comme ça des mots clés pour lesquels on se bat. Bon, alors comment décrire tout ça? Alors évidemment, il y a une arme, c'est le guillemet. Et Bachelard disait magnifiquement à propos des sciences de la nature, mais c'est a fortiori vrai des sciences sociales, il dit la science, ce sont les guillemets. Bon. Alors je dis la même chose, mais en faisant sentir que ce n'est pas moi qui parle, que je marque une distance d'objectivation. Alors ça, c'est une chose par exemple qui crée des malentendus dans ce que je dis. Lorsque je dis, je sais pas, les classes dominées par exemple préfèrent Dalida. Bon, là l'exemple n'est pas bon, mais enfin il faut des exemples meilleurs. Mais on pense que je le pense. Bon, et le sociologue passe son temps à enregistrer comment on fait un jugement de valeur. Et par exemple dans le domaine de la culture. Bon, j'enregistre comme un fait qu'il y a des œuvres culturelles qui sont plus légitimes que d'autres. Bon, et il se trouve que très souvent, ce sont les œuvres que j'aime mieux. Bon, mais cela dit, je ne porte pas un jugement de valeur. Je dis, essayez de mettre sur le marché scolaire, par exemple, un éloge de Dalida, vous aurez zéro. Alors que si vous mettez un éloge minable de Jean-Sébastien Bach, vous aurez la moyenne. Bon, voilà, c'est un fait social. Et ça, c'est très très mal compris. C'est un des points de distance, donc, qui est très lié au guillemets. Alors, ensuite, bon, le problème de l'écriture. Alors là, c'est un cauchemar. Bon, très souvent, j'ai des problèmes parce que les gens pensent que comment dire, que j'impose en quelque sorte une orthodoxie. Oui. Si j'ai une minute, bon, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, le discours, enfin, le rapport du sociologue à son travail et à son écriture est autant que je connaisse la schizophrénie. Enfin, tout à fait correspond tout à fait à la description qu'on fait de la schizophrénie. C'est-à-dire, il faut dire quelque chose ou faire quelque chose, et au moment où on le dit ou on le fait, dire que on ne fait pas ce qu'on fait, ce qu'on dit, et dans un troisième discours, dire encore que on ne fait pas ce qu'on vient de dire, qu'on fait, etc. Alors, on dit, il y a une série de niveaux de discours, bon, et qui rendent le langage impossible, si bien que, par exemple, quand bon, une part de ce que j'ai fait pourrait se résumer par le slogan marxiste le plus stupide, la culture dominante et la culture de la classe dominante. Bon, et en fait, je peux dire que tout mon travail est construit contre cette phrase, bon, qui à la fois dit et ne dit pas, et en même temps, il n'invalide pas cette phrase, parce que en gros, ça reste vrai, mais tellement en gros que c'est faux. Bon, même, on pourrait faire la même analyse pour la notion d'idéologie. La notion d'idéologie est évidemment un instrument de lutte. L'idéologie, c'est la science des autres, c'est la pensée des autres, etc. Et en même temps, le fait d'avoir dit qu'il y a de l'idéologie, c'est-à-dire des discours qui sont produits par quelqu'un à partir de l'effort pour légitimer sa proposition, etc., c'était une conquête scientifique importante, bon, qui a permis de séparer. Bon, cela dit, moi, je pense que mon travail a été construit, mais, je pourrais dire, à 90% contre cette notion d'idéologie, et tout le travail pour parler de pouvoir symbolique, de domination symbolique, de méconnaissance, etc., d'introduire un tas de choses qui peuvent être décrites comme un jargon compliqué, etc., etc. Bon, tout ce travail était nécessaire pour conserver à la fois une coupure, un acquis, souvent d'ailleurs lié au marxisme dans sa forme originaire et combative. Bon, ce travail, il a fallu donc à la fois conserver et détruire. Bon, voilà, et d'où un effort extrêmement difficile qui se retrouve à la fois dans le langage, dans la construction même des phrases, avec, comme tu disais, quoi, ces sortes de c'est un discours qui charrie un métadiscours disant constamment attention à ce que vous lisez, voilà. Bon, et alors bon, malheureusement, je n'ai pas obtenu de mes contemporains la lecture que j'attendais. Je l'obtiens, mais pas du tout parmi les gens qui écrivent dans les journaux. Des entretiens au long cours de Pierre Bourdieu avec Roger Chartier, c'était dans le cadre d'une série d'Avoinu de 1988 en nouvelle diffusion toute cette semaine à 8h30 sur France Culture. Émission France Culture, lors des chemins de la connaissance, en hommage à Pierre Bourdieu, récemment disparu, rediffusion de ses entretiens de 1988 avec l'historien Roger Chartier. Deuxième volet dans lequel il revient sur la philosophie du déterminisme, sur les réactions à son livre sur la distinction, les résistances à la sociologie et sur son soutien à la candidature de Coluche.
Tout progrès de la connaissance de la nécessité est un progrès de la liberté possible. Ça, c'est une phrase de toi, toujours dans Question de sociologie. Et il me semble qu'on peut par là aussi ouvrir un deuxième domaine dans lequel il y a rupture à travers ce travail par rapport au rôle classique dévolu aux intellectuels. On peut dire que pendant longtemps, finalement, le rôle des intellectuels était d'essayer d'inculquer aux dominés le discours qu'ils devaient tenir sur leurs propres conditions. Donc de leur imposer ce discours qu'ils ne pouvaient pas constituer par eux-mêmes, mais que d'autres savaient pour eux. Il me semble que dans la perspective qui est la tienne et qui a cette capacité heuristique de faire penser dans d'autres domaines que le domaine de la sociologie, finalement le projet est tout autre, c'est de donner des outils permettant de démonter les mécanismes de domination qui fonctionnent sous les espèces de la division naturelle, normale, ancestrale. Et il y a presque un projet là de reprise de possession de l'individu par lui-même, ce qui je crois est assez contraire avec une image très stéréotypé de ce travail qui est pensé comme montrant que des contraintes contre lesquelles on ne pourrait rien, broyant les individus et ne leur donnant aucune place. Si je voulais répondre en une phrase à ce que tu viens de dire, et je dirais que nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libres. Nous naissons dans l'impensé et nous avons une toute petite chance de devenir des sujets. Et ce que je reproche, enfin, à ceux qui invoquent à tout va la liberté, le sujet, la personne, etc., c'est d'enfermer les agents sociaux dans l'illusion de la liberté qui est une des voies à travers lesquelles s'exerce le déterminisme. Et de toutes les catégories sociales, alors c'est un paradoxe sociologique, c'est sans doute une des choses qui fait que mon travail énerve les intellectuels, de toutes les catégories sociales, la plus inclinée à l'illusion de la liberté est la catégorie intellectuelle. Et c'est en faisant par exemple que Sartre, quels que soient les mérites qu'on lui reconnaisse, a été l'idéologue des intellectuels, c'est-à-dire celui qui a entretenu l'illusion de l'intellectuel sans attache ni racine, comme disait Mannheim, l'illusion de l'autoconscience, l'illusion que l'intellectuel peut maîtriser sa propre vérité. Bon. Et je pense que dans le refus forcené que certains opposent à la philosophie, dans la haine qu'ils opposent à la sociologie, il y a ce refus de découvrir l'intellectuel enchaîné dans des déterminismes spécifiques, ceux qui tiennent, on en a évoqué, ceux qui tiennent aux catégories de pensée, ceux qui tiennent aux structures mentales, ceux qui tiennent aux adhérences et aux adhésions universitaires, d'ailleurs qui sont souvent beaucoup plus déformatrices que les adhésions politiques. Par exemple, je pense que les universitaires sont beaucoup plus menés par leurs intérêts académiques que par leurs intérêts politiques, etc. Bon, autrement dit, je pense que c'est à condition de s'approprier les instruments de pensée et aussi les objets de pensée que l'on reçoit sont le produit, que l'on peut devenir un tout petit peu le sujet de ses pensées. C'est-à-dire on ne naît pas le sujet de ses pensées, on devient le sujet de ses pensées à condition, entre autres choses, je pense qu'il y a d'autres instruments, il y a aussi la psychanalyse, etc., à condition de se réapproprier la connaissance des déterminismes. Je pense que je fais exactement le contraire de ce qu'on me fait dire dans ce cas-là. Alors est-ce qu'à ce moment-là, on n'arrive pas devant cette sorte d'effrayant paradoxe qui consiste à dire que tu écrirais pour ceux qui ne peuvent te lire et qu'en même temps, tu serais lu par ceux qui ne veulent pas te comprendre ? Oui, je pense qu'ils ne peuvent pas me comprendre parce qu'ils ne veulent pas me comprendre. Bon, j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, le texte de Guy qui s'appelle La haine de la philosophie, donc qui pour moi a quelque chose de pathétique. Enfin, c'est un texte qui est un document extraordinaire, enfin, de la souffrance que peut provoquer la culture et que peut provoquer l'analyse, alors au sens de socio-analyse, l'analyse du rapport à la culture qui hante tous les hommes cultivés. Bon, c'est-à-dire toute la souffrance de Guy, je la connais.
Bon, si on avait lu la distinction jusqu'au bout, au lieu de la réduire à des simplifications absurdes, bon, on aurait vu dans un post-scriptum où je me réfère à Proust, enfin que je décris, j'évoque, enfin à la fois les jouissances spécifiques, enfin que donne le rapport à la culture, et les souffrances spécifiques que procure le désenchantement, enfin culturel. Bon, et Proust, qui est un admirable sociologue, enfin bon, avait dit en quelque sorte avant moi, mais dans son langage. C'est-à-dire que personne ne l'a entendu, ce que dit la distinction. Alors maintenant, pour revenir à la question... Restons un moment là-dessus. Oui. C'est-à-dire, pourquoi, tu dis, me fait penser à un problème, pourquoi est-ce que c'est à partir de la distinction, publiée en 79, que l'ensemble de ces mécanismes de rejet, de réfutation par la réduction à quelques slogans se met en place? Les travaux antérieurs sur le système scolaire pouvaient avoir des adhésions ou des refus, mais ne déchaînaient pas le même type de réaction. Au contraire, on pouvait discuter la notion de reproduction, il pouvait y avoir des contresens sur la démonstration. Inversement, c'était des travaux qui ont été fondateurs pour la sociologie historique de l'éducation, proposant des outils, des méthodes qu'il fallait bien sûr en tant qu'historien expérimenter sur un terrain qui était construit de manière tout à fait différente. Mais pourquoi la distinction ? Parce que finalement, ce débat très très violent, hein, le mot débat n'est pas juste d'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'un lieu de discussion, mais d'une forme de rejet. Pourquoi avec la distinction ? Je pense, là je n'ai pas toutes les explications, mais je crois que la culture dans nos sociétés est un des lieux du sacré, c'est-à-dire que la religion culturelle est devenue, pour certaines catégories sociales, dont les intellectuels, le lieu des convictions les plus profondes, des engagements les plus profonds. C'est-à-dire que, par exemple, la honte de la gaffe culturelle, etc., est devenue l'équivalent du péché. Bon, je pense que l'analogie avec la religion peut être poussée très loin. Et du coup, alors qu'aujourd'hui, une analyse de sociologie religieuse, comme celle que j'ai écrite sur les évêques, enfin bon, ne touche personne, peut-être même pas les évêques, enfin, puisque dans la mesure où, par exemple, j'ai eu d'éminents évêques pour élèves, enfin, qui auraient pu ou dû, pas pu, dû, écrire ce que j'ai écrit sur les évêques. La sociologie mène décidément à beaucoup de positions. Oui, alors. Mais la sociologie de la culture se heurte à des résistances absolument fantastiques. Enfin, et le travail d'objectivation qui est fait sur la religion, enfin bon, tout le monde sait aujourd'hui, personne ne peut contester qu'il y a une certaine corrélation entre la religion qu'on a acquise dans sa famille et la religion que l'on professe. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a une transmission de père en fils des convictions religieuses, que quand cette transmission disparaît, la religion disparaît. C'est ce sont des choses que tout le monde accorde. Bon, mais quand on le dit sur la culture, on enlève à l'homme cultivé un des fondements du charme de la culture, à savoir l'illusion de l'innéité, de l'illusion charismatique. C'est-à-dire, j'ai acquis ça par moi-même, par la naissance, et comme une espèce de miracle. Bon, voilà. Alors, toutes ces choses-là expliquent la violence des résistances. Ce qui est très étonnant, c'est que finalement, moi, ma conviction, c'est que la sociologie est une manière de prolonger la philosophie par d'autres moyens. C'est-à-dire, finalement, si je voulais donner une généalogie glorieuse à la sociologie, je dirais que, au fond, le premier sociologue est Socrate. Alors là, le philosophe en tête tout à fait furieux parce qu'il revendique ce père fondateur. Et en fait, c'est évidemment quelqu'un qui descendait dans la rue, posait des questions, qui allait demander à un général qu'est-ce que le courage, qui allait demander à Euthyphron, un homme pieux, ce que c'est que la piété, etc. Il faisait des enquêtes, dans une certaine mesure, d'une part, et d'autre part, pour évoquer ce que tu disais à l'instant sur la lutte contre les représentations, etc., c'est quelqu'un qui se battait à longueur de temps contre l'équivalent de mes adversaires aujourd'hui, non pas de mes adversaires, de mes ennemis, ou en tout cas de ceux que je combats scientifiquement, c'est-à-dire les sophistes, des gens qui, à la fois... parle d'un irréel en faisant croire qu'il est réel, mettent le réel à distance par un nuage de mots qui impressionnent, etc. Ça, bon, oui, je pense que si je revendique cette autorité, ce n'est pas simplement un coup stratégique pour m'approprier un ancêtre noble, c'est que je crois vraiment
que dans une certaine mesure, par exemple, tout le travail que je fais contre ce que j'ai appelé les doxosophes, c'est un nom que j'ai emprunté à Platon, c'est un magnifique mot, doxa en grec veut dire à la fois opinion, croyance, et aussi représentation, semblant, faux semblant, etc. Et sophos veut dire celui qui connaît. Les doxosophes, ce sont à la fois les savants de l'apparence et les savants apparents. Bien, pour moi, les gens qui produisent des sondages sont l'équivalent des sophistes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens à qui on accorde de l'argent. Bon, les sophistes faisaient payer, Socrate n'était guère payé, etc. Des honneurs, des profits, les profits matériels, les profits symboliques, etc. pour produire un faux semblant sur le monde social, dont tout le monde sait au fond qu'il est faux, mais qui a pour lui une force extraordinaire qui tient à ce que les gens ne veulent pas savoir la vérité. Alors au fond, là j'en viens à la vraie réponse, parce que au fond je n'avais jamais répondu vraiment aux questions, c'est que le problème du sociologue, c'est qu'il essaie de dire des choses que personne ne veut savoir, et surtout pas ceux qui le lisent. Bon, et du même coup, je pense à cet homme qui parfois me fait douter de mon existence en tant que sociologue, de la légitimité de mon existence en tant que sociologue et de la fonction du travail scientifique. Je pense que est-ce qu'il est bon de dire ce qu'il en est du monde social? Bon. Est-ce que un monde social qui se connaîtrait lui-même serait vivable? Voilà. Alors moi, je pense que beaucoup de souffrances, beaucoup de misères, qui sont toujours oubliées par la grande déploration marxiste, par exemple, beaucoup de souffrances, beaucoup de misères, seraient formidablement atténuées, même transformées ou annulées, la transparence, c'est-à-dire une plus grande connaissance de ce qu'il en est de la culture, de ce qu'il en est de la religion, de ce qu'il en est du travail, etc. Bon. Est-ce qu'on n'est pas du côté à la fois d'une sorte d'utopisme? Il me semble que le mot est venu sous ta plume quelquefois, dans la mesure où comment assurer la divulgation de ces outils qui peuvent permettre de prendre conscience des déterminations et partant de laisser la place à la petite marge de liberté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de populisme, c'est-à-dire de considérer qu'il faut rompre avec tout le savoir immédiat ou toute une culture héritée pour lui substituer des outils d'analyse rationnelle qui décapent, qui démontent, qui déconstruisent ce qui fait la réalité elle-même? Oui, enfin, il y a deux choses. Le populisme, c'est une chose, et par ailleurs, cette sorte de radicalisme décapant, c'est une autre chose. Ça va pas nécessairement de pair. Pour ce qui est du populisme, je crois pas que j'ai laissé planer la moindre équivoque. Enfin, je pense que, là encore, je pourrais employer la métaphore socratique, c'est-à-dire que Socrate interroge, mais il ne prend pas pour argent comptant ce qu'on lui répond. Et le sociologue sait très bien que, en toute bonne foi, les gens qui produisent des réponses ne disent pas nécessairement la vérité. Tout son travail consiste à construire les conditions de l'élaboration de la vérité à partir de l'observation des comportements, à partir des discours, à partir des écrits, etc. etc. Bon, ça c'est une chose. Il n'est dans l'esprit d'aucun sociologue, s'il y a toujours quelques imbéciles, à toutes les époques, pour croire que le peuple dit plus vrai que les autres. Le peuple étant particulièrement dominé, il est particulièrement dominé par les mécanismes symboliques de domination. Et par exemple, lorsque ça a été à la mode dans la période où la gauche était au pouvoir, on pense qu'en mettant un micro devant la bouche d'un mineur, on va recueillir la vérité sur les mineurs. En fait, on recueille des discours syndicaux des 30 années précédentes, et quand on pratique avec un paysan, on recueille des discours d'instituteurs. L'idée qu'on pourrait retrouver un espèce de lieu originaire de la vérité dans le monde social, que ce soit les intellectuels ou que ce soit le prolétariat entre guillemets, etc., etc., est une des mystiques qui ont à la fois permis aux intellectuels de se donner le moral, mais sur la base d'une auto-mystification dramatique. Le sociologue écoute, interroge, fait parler, etc., etc., mais il se donne aussi les moyens de soumettre à la critique tout discours
discours, etc. Bon, ça va de soi dans la profession, mais je pense que c'est pas su à l'extérieur. Alors, le deuxième problème, est-ce que cette science, en quelque sorte destructrice des idées reçues, et c'est là d'ailleurs que la sociologie est très très proche de l'écriture, de gens comme Flaubert, etc. Bon, l'analogie est fantastique, et ce qui fait problème pour moi, c'est qu'on s'en aperçoive pas, qu'on accepte de Flaubert ce qu'on déteste, enfin les mêmes qui disent Bourdieu déteste, adore Flaubert, alors que pour moi c'est pareil. Enfin, bon, la question serait de savoir si la différence de langage. Donc pour revenir à ça, la sociologie décape, la sociologie détruit des idées reçues, etc., etc. Bon, on peut poser la question, mais au nom de quoi, à partir de quoi, est-ce qu'elle peut échapper elle-même, etc., à cette mise en question? Est-ce qu'elle objective toute chose? Est-ce qu'elle peut s'objectiver elle-même? Et si elle s'objective, est-ce qu'elle ne se détruit pas elle-même? Est-ce qu'elle ne détruit pas ses fondements? Alors ça, c'est un vieil argument qui est aussi vieux que la science sociale, et je m'étonne, enfin, que sauf dans les classes de terminale, enfin, on ose encore le formuler dans un débat scientifique. Bon, mais enfin, bon, il faut quand même y répondre puisqu'il est prononcé. Alors c'est, bon, l'historien étant lui-même dans l'histoire, est-ce que il y a une science historique? Le sociologue étant lui-même dans la société, est-ce qu'il n'y a pas une science historique? Est-ce qu'il y a une science sociologique qui est possible? Bon, alors, là, je pense que la réponse est tout à fait possible. Simplement, ça prend un peu de temps. J'essaie d'argumenter en deux phrases. Je pense que le discours sociologique s'engendre dans un espace qui est lui-même un espace social, un champ scientifique où il y a des luttes, des concurrences, etc., etc. Et comme la science de la nature, un certain progrès vers plus de connaissances est possible à travers la lutte entre les gens qui cherchent à s'approprier la connaissance du monde social, à condition que cette lutte soit soumise à des règles minimales de bon dialogue, de dialogue réglé. Bon, voilà. Autrement dit, à condition que tous les coups ne soient pas permis, que par exemple, voilà un exemple très simple, qu'on ne puisse pas liquider un argument scientifique par un argument politique. Qu'on puisse pas dire, on peut pas tuer un théorème en disant il est de droite. Or, on peut tuer une théorie sociologique ou historique en disant il est de droite. Bon, un champ scientifique relativement autonome, c'est-à-dire capable de produire des vérités provisoires, justiciables de vérification, est un champ dans lequel ce genre de coup n'est plus possible. Bon, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Disons que les sociologues ont du mal à garder leur univers contre l'irruption d'arguments de préau. Oui, non, mais la question n'était pas sur le plan peut-être d'une dissertation de terminale, elle était sur... Non, c'est pas à toi que je pensais du tout. le problème étant que tu as, de ceux qui ont fait connaître en France le travail de ce sociologue anglais, Richard Hogarth, qui avait écrit dans les années 50 un livre magnifique, La culture du pauvre, c'est le titre français, en anglais The Users of Literacy, et qui essayait de montrer le fait que, par rapport à tous les discours dominants, projeté en masse et à l'époque dans une proportion moins grande que maintenant, par la culture de masse, les journaux, les télévisions, la radio, tous ceux qui étaient soumis à ces messages, loin d'en être complètement abrutis, complètement dominés, complètement annihilés, avaient toujours cet espace pour ce qu'il appelait une attention oblique, une adhésion à éclipse. Est-ce que tu ne crois pas que les outils que le discours critique du sociologue voudrait donner comme arme pour cette reprise de possession de ceux qui sont dans l'attitude de la plus dominée, qui sont les plus démunis, ne risquent pas à leur tour aussi d'apparaître comme quelque chose qui, projeté de l'extérieur, serait aussi soumis à la même attention à éclipse et à la même adhésion oblique. C'est-à-dire que finalement, ce qui appartiendrait à la sphère de la critique des conditions de domination pourrait aussi apparaître comme appartenant à cette sphère même et être un instrument qui ne serait pas différencié. Alors c'est là où elle a comment l'articulation entre ce savoir spontané sur le monde social et qui est sans doute fait de ces attitudes de défiance et de défense peut être pénétré par une réflexion critique et des outils qui permettraient normalement de prendre distance. Oui, en fait, je pense qu'il y a encore une fois, il me semble, deux questions. Je crois que ce que la sociologie, en tout cas telle que je la conçois, produit, ce sont des instruments, pour une part, ce sont des instruments d'autodéfense contre l'agression symbolique, contre la manipulation symbolique, etc. Bon. C'est-à-dire essentiellement contre les producteurs professionnels
de discours. Et il est évident que le sociologue ne peut pas compter, je l'ai dit plusieurs fois, sur les producteurs symboliques, c'est-à-dire sur les journalistes, sur les évêques, sur les professeurs, sur les philosophes, sur tous les gens qui font profession de parler et de parler du monde social, puisque une part considérable de son travail consiste à mettre en garde contre la rhétorique du discours ordinaire sur le monde social, du discours des demi-habiles. Alors le problème est que ces instruments que produit le sociologue, des instruments de self-défense, c'est un professeur de judo finalement symbolique, sont interceptés par ceux qui s'en servent. Et très souvent, je peux dire que la sociologie entre par exemple, il y a toute une part de la publicité, toute une part du marketing. Par exemple, on pourrait prendre une soirée de télévision, une soirée électorale, et en faire une analyse terrible, mais peut-être impubliable, parce que ça serait considéré comme une démolition criminelle. Ça serait le professeur de sciences politiques qui vient commenter le journaliste, qui vient commenter l'homme politique, chacun luttant pour avoir le dernier, non pas le dernier mot, mais pour être en position de métadiscours par rapport au précédent. Alors j'emploie une métaphore là qui est très amusante, c'est dans une expérience célèbre de Kellogg qui travaillait sur les singes. Un jour il met une banane suspendue en l'air, hors de portée d'un singe ordinaire. Ils essaient tous de sauter, puis Sultan, qui est le plus malin, attrape une petite guenon de ses petites amies, la met dessous, grimpe dessus, attrape la banane. Et ensuite, tous les singes sont là, avec une patte en l'air, pour monter sur l'autre. Mais personne ne veut plus, tout le monde ayant compris, il ne faut pas se laisser monter dessus, personne ne veut plus être dessous. Il y a beaucoup de discussions que nous voyons à la télévision, de débats. Les débats, j'ai donné une clé. Hein. Si maintenant on regarde un débat de télévision de soirée électorale, ce sont des gens qui ont la patte en l'air pour monter. Alors, mais pour avoir quoi? Pour être celui qui fait du méta, c'est-à-dire je vais vous dire ce que c'est que de dire ce que vous dites. Vous avez alors l'historien, je ne veux pas le nommer, mais tout le monde le connaît, l'historien de service viendra dire oui. Si nous comparons les statistiques de telle année, etc. Il apparaît que ce qui peut paraître une victoire n'est pas une victoire, mais c'est plutôt une défaite jusqu'à un certain point, etc. Bon, et ensuite, un autre montera sur lui. Bon, voilà. Alors, ce genre de choses, énoncer un tel mécanisme, je pense, aurait une force formidable. Mais qui a intérêt à le diffuser? Il va être intercepté, pour employer la métaphore du rugby, avant d'arriver à l'aile, il sera intercepté. Et comme tu disais tout à l'heure, les gens qui auraient intérêt à entendre ces choses-là, ont une chance infime. Alors, cela dit, ils ont des systèmes de défense spontanés, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ils ont des instruments de résistance passive, ça consiste à aller faire un sandwich, etc., mais aussi active, des formes. Par exemple, un exemple que je cite toujours, c'est à propos de la participation proposée par De Gaulle, un mot extraordinaire qu'on disait, j'ai entendu la bouche d'un ouvrier chez Renault, ah oui, la participation, c'est « prête-moi ta montre et je te donne l'heure ». Même c'est donne-moi ta montre, je te donne l'heure. Bon, alors c'est pas une analyse politique, c'est pas une. Et pour développer ce qui est contenu dans cette espèce de message métaphorique, parabolique, etc., il faudrait des heures d'analyse. Mais bon, il y a des instruments de défense. Si les instruments de défense que produit la science avancée et les instruments de défense spontanés arrivaient, c'est-à-dire si on avait des rugbymen qui ont vu au magnétoscope le match, qui peuvent en tirer parti, on aurait un changement profond. Alors je pense de la vie politique, c'est-à-dire qu'on rendrait la vie impossible aux sophistes. Bon, simplement, c'est pas demain la veille, parce que pour le moment, les sophistes contrôlent la transmission. C'est pour ça que tu avais soutenu la candidature Coluche. C'est pas sans lien. Oui, ce n'est pas sans lien. Je pense que la candidature Coluche était une candidature tout à fait sérieuse, parce que elle mettait en question, en pratique, par la dérision, etc., etc. Bon. Sans aucun import pour jadis. Alors ça, c'est une chose tout à fait étonnante. Voilà un exemple de défense. Il y a eu des articles très savants, évidemment, dans Le Monde, journal très très savant, pour dire, mais c'est évidemment la renaissance du poujadisme, etc. Alors que moi, j'avais les statistiques, je savais que Coluche avait des bases sociales qui étaient l'opposé absolu des bases ordinaires du poujadisme, c'est-à-dire les intellectuels, les jeunes gens qui ont des titres scolaires supérieurs aux positions qu'ils ont pu obtenir avec, etc., etc. C'est-à-dire la base traditionnelle du gauchisme. Bon, alors, l'intérêt de Coluche, c'est que il faisait en pratique, il faisait des happenings
critique. Alors, je vais employer une image plus noble, parce que sinon, je connais mes adversaires. Ils ont envoyé Bourdieu a fait l'éloge de Coluche. Oui, Coluche et le collège. Ça va pas très bien ensemble. Bon, alors, je vais donner une image très noble, alors, aux antipodes dans l'espace hiérarchisé de la culture, comme je disais tout à l'heure. C'est Karl Kraus, bon, c'est une référence mondiale. Personne ne l'a lu en France, hein, mais tout le monde sait qu'il faut dire que Karl Kraus est très bien. Donc, je vais me servir de cet effet de légitimité. Et alors, Karl Kraus est un homme qui a passé sa vie, c'était intellectuel professionnel qui a fait au fond l'inverse de ce que faisait Sartre. Vienne fin de siècle. Bon, il a passé sa vie à faire des happenings. Par exemple, il a fait des choses magnifiques. Si j'avais le temps, je ferais ça. Il faisait des fausses pétitions sur la base des sentiments de bienséance sociale qui animent les intellectuels. Voilà, une bonne cause, par exemple, aujourd'hui, ça serait défense des homosexuels contre le sida, etc. Il faisait une fausse pétition, signait les noms des plus célèbres de l'époque et les gens n'osaient pas démentir. Et après, il révélait que, en fait, c'est lui qui avait tout inventé, que les gens n'avaient pas signé, enfin, des choses tout à fait magnifiques. Bon. Et alors, cet homme a passé sa vie à faire sur le mode, alors, coluchien, c'est-à-dire par des happenings théâtraux, des soirées bordéliques, enfin bon, il mettait en question tout cet univers de sophistes. Enfin, donc, il y a tout un travail possible, hein, pour faire diffuser cette sorte de défense pratique. Mais, oui, mais enfin, on va encore dire que tu cherches les bâtons pour te faire battre. Il est évident que ça doit beaucoup à mon ce qu'on appelle le tempérament. Enfin, moi, que j'appellerais l'habitus. Mais enfin, bon. Alors, ce que je pense, c'est que là, j'ai présenté la forme un peu exagérée pour prolonger la question. Mais je pense qu'il y a place pour un utopisme rationnel, c'est-à-dire qu'on a droit à une part d'utopie dans les limites du possible. Bon, et je crois qu'un bon usage de la sociologie comme instrument de transformation du monde social, ça serait de définir les limites de ce qu'on peut faire et d'aller aussi loin que possible au-delà de ces limites avec une toute petite chance de réussir. Bon, là, je pourrais donner des exemples pratiques. Mais est-ce qu'une de ces limites n'est pas cette phrase de Descartes que tu emploies quelque part, qui accroît sa science, accroît sa douleur, c'est-à-dire finalement que cette mise à nu de tous ces mécanismes à partir du moment où il n'y a pas de, où on a renoncé à l'idée qu'ils pouvaient se transformer en une sorte d'espérance du grand soir, en une sorte de messianisme qui subvertirait l'ensemble du monde social et le recréerait sur des bases nouvelles, et plus source d'une sorte de désespérance que d'un grand projet politique, parce qu'une autre des ruptures avec cette figure traditionnelle de l'intellectuel, au moins celle sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette perte d'illusion quant à l'accumulation progressive de toutes ces frustrations dans une sorte de mouvement cumulatif qui entraînerait la grande rupture. Plus personne n'y croit. Donc, est-ce qu'à partir de ce moment-là, où ce travail de mise à nu non accompagné de l'espérance messianique n'est-il pas justement cet accroissement sans fin de la douleur? Et n'est-ce pas là un autre des obstacles, alors plus fondamental que celui opposé par les écrans que tu as décrit au projet lui-même? Je pense que l'espérance messianique est un des grands obstacles, enfin, aux transformations, et à cette espérance messianique, à cette illusion messianique, il faut substituer, je crois, des espérances rationnelles tout à fait modérées, qui étaient souvent discréditées comme réformistes, comme des compromis, des compromissions, etc. Je pense qu'il y a des formes très très radicales. Par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui m'a valu d'être traité d'utopiste, un peu irresponsable, c'est rationnel. Je pense que si tous les intellectuels travaillaient dans l'espace qui les concerne, enfin bon, pour faire advenir un tout petit peu plus de transparence, un tout petit peu moins d'auto-mystification, etc., ça serait un grand changement. Et si, par exemple, pour prendre une mesure très simple, s'il y avait une commission juridiquement garantie de sociologues, de jurys, etc., pour le contrôle du bon usage des sondages, bon, ça pourrait être pas seulement la taille de l'échantillon, hein, ça irait beaucoup plus loin. Bon, ça serait un progrès dans le sens de la démocratie. Voilà un exemple très simple. Or ça, c'est quelque chose que qu'on considérera comme indigne d'être revendiqué. Bon, ou bien il faut s'occuper du Vietnam, c'est-à-dire des choses qui sont totalement hors de portée, qui, comme disaient les stoïciens, ne dépendent pas de nous. Bon, ce qu'il faut voir, c'est ce qui dépend de nous. Et les choses qui dépendent de nous sont au fond beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Par exemple, tout ce qui est la mystification produite par les intellectuels. Bon, ça dépend de nous. C'est pourquoi la critique de l'illusion intellectuelle qui est de notre ressort, et sûrement, c'est pas du tout que ce soit le tout de l'action politique, mais c'est sans doute le plus important de ce que nous pouvons faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais ce qui dépend de nous, c'est quand même ça.
fondamentalement. Huit heures et demie sur France Culture, l'heure des chemins de la connaissance, troisième volet de la rediffusion des entretiens accordés en 1988 par le sociologue Pierre Bourdieu à l'historien Roger Chartier. Aujourd'hui, il revient sur les fausses oppositions dans les sciences sociales, sur la différence de traitement social dont sont l'objet les écrits historiques et les écrits sociologiques. Roger Chartier. Il me semble, enfin, tu me diras si tu as le même sentiment, que les sciences sociales, parlons sociologie, histoire, anthropologie, sont à l'heure actuelle toutes tendues autour de la résolution possible d'un dilemme qui est peut-être largement un faux problème entre ce qui les a dominés dans les années 60, c'est-à-dire des approches en termes de structure, de hiérarchie, de position, de relations objectives d'un côté, et puis d'un autre côté, toutes ces tentatives qui, dans chacune des disciplines, peuvent prendre des formes différentes, s'attacher à des objets différents, mais qui ont quand même en commun l'idée de réinstituer l'agent social, l'individu, la relation interpersonnelle. Il est clair que en histoire, après la grande dominante de l'histoire sociale, qui visait à construire quelles étaient les hiérarchies objectives d'une société que l'on retrouvait en partir de données fiscales, notariales, agencées dans des catégorisations globales, on s'est porté maintenant vers des approches qui essaye de penser en termes du rôle du sujet, retour de la biographie, retour de l'intentionnalité, ou bien d'utiliser des notions comme celle de communauté, qui est devenue si importante chez les historiens, qui ne voulaient plus penser en termes de catégories socio-professionnelles ou de classe. Bon, je crois que cette tension existe dans l'histoire, je pense qu'elle existe aussi dans la sociologie, et dans le dernier livre que tu as publié, Chose dite, une des interviews qui est là republiée, manifeste cette opposition que tu dis fausse, entre les approches structuralistes et puis toutes les autres qui ont quelque chose à voir avec la phénoménologie, qu'on les appelle interactionnisme, ethnométhodologie, etc. Alors, il me semble que pour toi, et c'est alors peut-être la piste de réflexion qu'on peut suivre dans cet entretien, tout ça c'est largement de faux problèmes, et qu'il y a eu là une sorte de constitution des faits dans le champ des sciences sociales, à la fois hérité de l'histoire, en même temps parce que c'est des commodités, ça permet facilement de se distinguer, en se portant à un des pôles et en disqualifiant l'autre, on peut se donner peut-être à bon compte une sorte d'originalité ou de novation, là où les autres sont qualifiés de tradition. Alors pourquoi tu penses que fondamentalement c'est là des faux problèmes ? Oui, il y a tout un écheveau de problèmes dans ce que tu viens de dire. D'abord, sur l'idée de fausse révolution, au fond, que tu as évoqué, si ces faux problèmes sociologiques, scientifiques, se perpétue, c'est parce que souvent il s'appuie sur de vrais problèmes sociaux ou sur de vrais intérêts sociaux. Bon, par exemple, comme tu l'as suggéré, je pense que la plupart de ces oppositions entre macro, micro, objectif, subjectif, aujourd'hui chez les historiens entre l'analyse économique et l'analyse politique, etc. Bon, ce sont de fausses oppositions qui ne résistent pas à 3 secondes d'analyse théorique, bon, mais qui sont extrêmement importantes parce qu'elles remplissent des fonctions sociales pour ceux qui les utilisent. Par exemple, le champ scientifique, malheureusement, obéit à des lois de changement tout à fait semblables à celui de la haute couture ou à celui du champ religieux. C'est-à-dire que les jeunes, les nouveaux venus, font des révolutions, vraies ou fausses, des hérésies. Et ils disent, tous les vieux, ils nous ont bassinés pendant 30 ans avec l'histoire économique, à la brousse, à la brodelle, on a compté les tonneaux dans le port de Lisbonne, etc. Ça suffit. Maintenant, ou bien il faut compter autre chose. Alors on comptera des livres, comme on comptait les tonneaux, sans s'occuper trop de ce que comptaient les livres. Ou bien on dit, mais non, tout est dans le politique, etc. Bon. Et alors c'est exactement du même type que les robes une fois sont longues, puis la fois après courtes. Parce que finalement, l'intérêt des faux problèmes, c'est qu'ils sont éternels. Enfin, s'il y a quelque chose qui est éternel, c'est les faux problèmes. Bon. Alors, c'est un peu brutal de dire comme ça, mais je pense que ça suffit à justifier. Et en plus, alors, ces faux problèmes, du point de vue de la science, sont souvent enracinés dans des vrais problèmes politiques. Alors, c'est par exemple l'opposition entre individu et société, individualisme, socialisme, individualisme, collectivisme, individualisme, holisme, enfin, tout ça des mots en isme absurdes, à mes yeux sans queue ni tête. Ces oppositions peuvent toujours être réactivées
parce qu'elles ont quelque chose à voir avec l'opposition, collectivisme, socialisme d'un côté, et de l'autre, libéralisme, etc. Bon. Et à travers ces adhérences enfin souterraines, bon, on peut réintroduire dans le champ scientifique des luttes politiques. L'autonomie du champ scientifique repose sur l'instauration de frontières contre ces faux problèmes, etc. Et, par exemple, une position scientifiquement très faible peut être renforcée s'il y a derrière des forces politiques. Bon, dans une période de libéralisme avancé, les actions de tous les tenants d'une théorie absurde de l'homo economicus rationnel remontent. Bon, elles remontent dans certains milieux, pas dans la pratique scientifique, mais elles remontent. Du coup, on peut faire une opération intellectuelle dans le champ scientifique à la faveur d'une conjoncture politique. Voilà des raisons qui font que des faux problèmes. Bon, maintenant, alors pourquoi ces problèmes sont faux problèmes? Alors ça, c'est une autre paire de manches, comme on pourrait dire. Bon, c'est extrêmement difficile, mais je vais essayer de le dire très concrètement. Bon, une des oppositions majeures, c'est l'opposition entre l'objectivisme, on pourrait dire, et le subjectivisme. Bon, alors concrètement, objectivisme, tous les grands fondateurs, essentiellement Marx et Durkheim, des sciences sociales, ont insisté sur le fait que pour échapper c'était une idée de Durkheim, que la sociologie est difficile parce que nous croyons tous être sociologues. Bon, la difficulté particulière de la sociologie, mais c'est la même chose de l'histoire, tient au fait que nous croyons avoir la science infuse, nous croyons comprendre tout de suite. Bon, et un des obstacles à la compréhension, c'est cette illusion de la compréhension immédiate. Bon. Et donc, une des manières de rompre avec cette illusion, c'est d'objectiver. Alors, c'est cette phrase célèbre qui a été un coup de tonnerre dans l'univers scientifique, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Alors, il faut faire comme si, quand il s'agit de Roger Chartier, quand il s'agit de Pierre Bourdieu, je vais l'étudier comme s'il n'y avait pas de subjectivité, sans attacher d'importance à ce qu'il me dit, à son vécu, à ce qu'il me dit de son vécu, à ses expériences mentales, à ses représentations, tout ça. Je fais table rase, et non seulement je fais table rase, mais je m'en méfie. Bon, j'appellerai ça prénotion chez Durkheim, idéologie chez Marx, sociologie spontanée, peu importe, je m'en méfie. Alors, je l'enregistre, mais je m'en méfie. Bon. Alors, ça, c'est la position objectiviste. Pour aller vers les propriétés objectives, voilà. C'est là qu'on se servira de la statistique. On va se servir de la statistique, on va dire, je vais compter le nombre de fois que Roger Chartier aura dit « allons », parce que ça sera révélateur de quelque chose qu'il ne sait pas lui-même, mais qui est plus important que tout ce qu'il m'a dit, etc. Bon, je vais compter, je vais mesurer la hauteur de la position de sa voix. Bon, des choses qui ont été faites, qui permettent de savoir, par exemple, on peut prédire la classe sociale de quelqu'un d'après la position de la voix dans la gorge, etc. Bon. Voilà. Alors ça, c'est l'objectivisme. En face, des gens diront, ce qui est intéressant, c'est ce que les sujets pensent, leurs représentations, leurs discours, leurs images mentales, enfin ce qu'ils ont dans la tête à propos du monde social. Bon, et il faudra faire un effort, soit pour s'auto-analyser, ça serait une forme de phénoménologie, soit pour aider les autres à l'auto-analyse, enfin recueillir leurs représentations, leurs discours, etc. Bon. Alors ça, c'est une opposition furieusement bête, que je crois liquider en une phrase. Je préfère la même chose pour société individu. D'ailleurs, c'est très voisin. Bon, une phrase, c'est un mot de Pascal, je crois qu'il résume très très bien. Je le cite à ma façon, c'est-à-dire en le simplifiant un peu, mais je pourrais le citer intégralement, mais ça n'a que valeur que fétichiste. Bon, le monde me comprend, mais je le comprends. Bon, alors il joue sur le mot comprendre. Bon, le monde me comprend et m'anéantit comme un point, c'est-à-dire je suis une chose du monde. Enfin bon, je suis en tant que corps, en tant que je suis situé, je suis daté, je suis déterminé, je suis soumis à des forces, si je saute par une fenêtre, je tombe sur la loi d'apesanteur, etc., etc. Bon. Et je le comprends, c'est-à-dire que j'en ai des représentations, et je ne suis pas réductible à la position que j'occupe dans ce monde. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on prend pour objet cette chose tout à fait particulière qu'est un homme, bon, on aura à prendre en compte comme existant dans l'objectivité, cette double réalité, c'est une chose, on peut le peser, le mesurer, le compter, etc., etc. On peut compter ses propriétés qui, elles aussi, combien il a de livres, combien il a d'automobiles, etc., des tas de choses qui peuvent se mesurer. Et par ailleurs,
il fait partie de l'objectivité aussi qu'il se représente ces choses-là. Bon, alors on pourrait aussi le dire pour d'un mot très simple, qui est la notion de point de vue. Bon, chacun de nous a un point de vue, ça veut dire qu'il est situé dans un espace social et que à partir de ce point de l'espace social, il voit l'espace social. Voilà. Bon, alors ça, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que l'alternative est idiote. Bon, il s'agit à la fois pour comprendre le point de vue de Roger Chartier sur l'histoire, il faut savoir à quel point de l'espace des historiens est situé Roger Chartier, et on aura à la fois la vérité objective de Roger Chartier et le principe de sa représentation. Bon, et voilà. Bon, alors, et le travail du sociologue consistera à englober les deux. Alors, pour l'individu de la société, ça serait la même chose. Bon, cette opposition, donc, tout à fait fictive, est très très utile parce qu'on peut faire un coup objectiviste, un coup subjectiviste. Alors, moi, j'étais dans ma jeunesse, j'ai eu la chance de pouvoir me construire, au fond, à la fois avec Sartre et Lévi-Strauss et contre Sartre et Lévi-Strauss, l'un incarnant la position subjectiviste Sartre de la façon la plus radicale qui soit, et l'autre incarnant la position objectiviste de la façon la plus radicale qui soit. Et en fait, ça n'a aucun sens de dire qu'on est d'accord avec l'un ou d'accord avec l'autre. Bon, on est d'accord avec l'un contre l'autre et avec l'autre contre l'un. Mais est-ce que tu ne crois pas que dans chaque trajectoire biographique, dans ce domaine des sciences sociales, il y a un moment ou un lieu qui permet, bien entendu, de non pas de prendre conscience de l'absurdité de cette opposition, mais de rendre opératoire un certain nombre d'instruments pour la surmonter. Alors, on pourrait peut-être le faire en parallèle. Je veux dire, pour toi, il me semble que c'est à travers le travail ethnologique, et en particulier sur le Béarn, c'est-à-dire sur ta propre identité et la propre communauté d'origine, que se fait cette résolution, au moins provisoire et toujours difficile et toujours tendue, puisque dans les domaines de la recherche elle-même, ce n'est pas forcément les mêmes sources ou les mêmes instruments qui sont à mettre en œuvre selon la notion de point de vue que l'on emploie. Mais peut-être que ça, ce serait important, cette idée qu'à un moment donné, parce qu'il y a une situation limite, parce qu'il y a une situation qui n'est pas de l'ordinaire de la recherche, où la recherche est froide, éloignée des objets, mais parce qu'elle implique directement soit comme individu dans une société qui est aussi la sienne, se fait le déclic. Et il m'a toujours frappé en lisant les travaux que tu as fait sur la Kabylie et plus encore sur le Béarn, sur le problème des stratégies matrimoniales, que c'était peut-être là un point tournant et en tous les cas exemplaire de ce que tu veux démontrer ici. Cette absurdité de l'opposition lorsque l'on est complètement soi-même dans une situation, je crois que tu as employé le mot, d'expérimentation épistémologique, ce qui n'arrive pas forcément tout le temps. Oui, alors moi je pense que la propension à l'objectivisme ou au subjectivisme est inégalement forte selon l'objet et selon le rapport entre le sujet connaissant et l'objet en voie d'être connu. C'est-à-dire que par exemple, je pense que la situation de l'ethnologue porte à l'objectivisme. Le fait d'être étranger, ça a été beaucoup analysé, d'ailleurs la tradition phénoménologique a beaucoup réfléchi sur cette situation d'étrangeté, la situation d'étranger qui est hors du jeu, qui n'a pas d'enjeu dans les jeux qu'il observe, bon, qui décrit par exemple des échanges matrimoniaux sans intérêt, bon, dans la chose, bon, porte à une vision objectiviste. Et par exemple, la même chose qu'un sociologue qui étudie un système d'éducation, ne se comporte pas du tout comme un père de famille qui cherche le meilleur établissement d'enseignement supérieur pour son fils. Bon, par exemple, quand je travaille sur les grandes écoles, je cherche à objectiver, à rendre visibles des mécanismes complètement inconscients qui échappent à la fois à la conscience des étudiants, des élèves qui se placent, qui courent dans un labyrinthe, comme des rats dans un labyrinthe, à la conscience des gens qui les conseillent, les conseillers eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils conseillent, ce qui ne veut pas dire que le conseil ne soit pas bon, etc. Bon, j'essaie donc de faire quelque chose de tout à fait objectiviste. Et ça n'a rien à voir, ça ne peut ne me servir à rien pour conseiller le meilleur placement à mes propres fils. En tout cas, je ne suis pas du tout dans la même posture. J'ai une espèce de désintéressement qui est constitutif, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas un intérêt, mais c'est l'intérêt de notre ordre. Bon. Alors, les situations impossibles, au fond, d'expérimentation épistémologique dans lesquelles je me suis mis, à deux reprises, mais dans les deux cas délibérément et consciemment, c'est d'une part l'étude d'un village dans lequel j'avais passé toute mon enfance et dans lequel les gens que j'étudiais étaient des camarades que je connaissais bien, bon, et l'étude de l'université que je viens de faire il y a quelques années. Bon, dans ces deux cas, bon, même si j'avais pu m'abandonner à la tentation objectiviste, enfin,
forcément, à un certain moment, l'objet lui-même m'aurait renvoyé à la figure mes intérêts subjectifs. À un certain moment, j'aurais dit, mais enfin, je vais donner un exemple alors très très brûlant, lorsqu'on analyse le système académique, on fait apparaître des hiérarchies, qui ont des principes différents, et on fait apparaître que le monde universitaire est divisé autour de la lutte à propos de deux principes de hiérarchisation possible, c'est-à-dire être premier quant au pouvoir, c'est-à-dire sous le rapport du pouvoir sur les instruments de reproduction, c'est-à-dire être président du jury d'agrégation, être président du comité consultatif d'université, c'est-à-dire être capable de se reproduire ou de contrôler la reproduction ou d'interdire la reproduction des autres, etc. Bon, d'un côté, et puis de l'autre, ce qu'on appellerait le prestige, mais c'est pas un bon mot, la réputation, le fait d'être traduit en langue étrangère, le fait d'être invité dans des institutions nobles, le fait d'avoir le prix Nobel, pour en prendre un exemple. Bon. Alors ces deux principes de hiérarchisation existent, bon, et sont en concurrence, bon, et voilà. Bon. Alors d'une certaine façon, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque le sociologue part des techniques objectives, c'est-à-dire sans se référer aux opinions des gens, sans leur demander qui est le premier d'après toi, etc. Le sociologue produit des hiérarchies, et une fois qu'elles sont produites, elles paraissent évidentes. Tout le monde dira, bah oui, on savait ça. C'est évident. Bon. Et en même temps, il faut un travail formidable contre toutes les idées reçues pour rendre cette hiérarchie objective, pour la mettre sur le papier. Bon. Donc là, on voit bien qu'il y a un décalage, et on se dit, mais oui, en tant qu'indigène, j'observe dans l'indignation des tas de pratiques qui ont pour principe un travail collectif pour cacher ces évidences, pour nier ces hiérarchies que tout le monde connaît. Bon. Alors voilà, là c'est un cas où je me dis, ben oui, les deux représentations, enfin faire une bonne description de l'univers académique, c'est-à-dire à la fois, il y a des hiérarchies, pour simplifier, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin, il y a des hiérarchies et personne ne veut les savoir. Et non seulement, encore ça serait trop simple, mais il y a des mécanismes collectifs, socialement institués, socialement organisés, qui fonctionnent comme des systèmes de défense au sens freudien, c'est-à-dire qui permettent de dénier, de ne pas voir ces hiérarchies. Alors on dit, mais pourquoi? Bon, parce que, alors maintenant je réponds, ça revient à un des problèmes qu'on peut se poser, parce que peut-être le monde universitaire et scientifique serait invivable si la vérité objective devenait la vérité subjective. Voilà le genre de questions. Alors, je pense que ce genre de questions, au fond, se serait posé à moi de manière moins dramatique si j'avais étudié, quand j'étudiais le patronat, par exemple, ou l'épiscopat, où ce problème existe aussi. Voilà. Mais alors, tu sous-entends par là que finalement, les historiens sont rarement en situation d'expérimentation épistémologique, puisque presque par définition, sauf ceux qui travailleraient sur le temps présent, et là, la frontière disciplinaire n'aurait peut-être plus de grand sens, ou serait à constituer différemment, cet éloignement, l'objet est toujours à distance, et ses intérêts propres du sujet n'y sont d'un autre ordre dans son traitement, mais n'y sont pas directement impliqués. Alors, si on poursuit ce raisonnement-là, ça explique peut-être pourquoi, globalement, la réflexion des historiens sur leurs propres pratiques est sans doute moins aiguë ou moins tragique que la réflexion des sociologues, et tout particulièrement celle que tu as entamée à travers les livres et à travers ces entretiens. Donc il y a comme une protection là du milieu historique pour le meilleur, puisque il y a un moindre déchirement, mais peut-être pas, je ne vous dirais pas pour le pire, mais en tous les cas comme une moindre lucidité par rapport à l'objet qu'on est en train de construire. Alors le fonctionnement plus aisé de ces deux pôles opposés, l'un du côté des structures, l'autre du côté des intentions, qui partagent les types de sources, les types de pratiques, des classes d'historiens, et qui finalement peuvent très bien coexister dans un champ qui ne s'unifie pas et qui reste comme une mosaïque définie par les sujets, en gros, les sujets d'études, et qui peut-être à ce moment-là fait naître beaucoup moins clairement la tension à partir de laquelle nous avons entamé cet entretien. Oui, moi je pense, enfin tout ce que tu viens de dire me satisfait beaucoup, c'est une description tout à fait acceptable et recevable de la différence entre le champ sociologique et le champ historique. Je pense que le champ, parfois j'ai la nostalgie du monde historique, je me dis, mon Dieu, comme je serais plus tranquille, enfin si j'étais dans cet univers où on a les lundis de l'histoire, où on peut discuter entre tenants de l'histoire économique la plus dure et tenants de l'histoire des mentalités, et tout va pour le mieux, pour le meilleur des mondes.
monde. D'ailleurs, il y a des personnages tout à fait œcuméniques, enfin bon, qui assurent le pont entre les différentes positions, etc. Bon. Et en plus, on fait plaisir en écrivant. C'est-à-dire que si on donne à l'histoire cette fonction, soit qu'elle assume volontairement, soit qu'elle remplit d'elle-même, qui est de donner des racines, de donner des références, de donner des identités à ceux qui peut-être en manquent, aussi bien au niveau d'une communauté qu'au niveau d'une identité nationale. Finalement, toutes les discussions que l'on peut avoir sur cette sociologie comme agressive et comme créant, mais avec combien de douleur, cette réappropriation des individus par eux-mêmes. Ici, c'est se situe dans un tout autre ordre, puisque le discours historique, a priori, est un discours qui conforte, est un discours qui rassure. Alors c'est peut-être une deuxième front, là. Oui, alors je pense que tout ce que je viens de dire expliquerait très très bien la différence de traitement social dont sont l'objet les écrits historiques et les écrits sociologiques. Enfin, on voit bien, ne serait-ce qu'en termes de vente de librairie. Enfin, on n'imaginerait pas de faire des séries de sociologie comme cadeau de Noël. Enfin, bon, c'est tout à fait impensable. Je dis ça plaisamment, mais sans agressivité du tout. Enfin, bon, il est probable que si j'étais historien, je participerais aussi à la production de cadeau de Noël. Ce que je veux dire, c'est que ça pose des questions. Enfin, sur la différence entre la sociologie et l'histoire. Je pense que les historiens seraient souvent beaucoup plus indulgents à l'égard des sociologues, qu'ils voient comme des gens agressifs, conflictuels, controverses, des gens à histoire. Voilà. Les sociologues, bizarrement, sont des gens à histoire, alors que les historiens sont des gens sans histoire. Bon, ils travaillent sur des choses révolues. Alors, de temps en temps, ils soulèvent un débat sur la Révolution française. Parce qu'elles sont présentes. Voilà. Donc, il est évident qu'en fait, ils parlent de choses présentes, ce qui fait qu'ils parlent très mal de la Révolution française. Enfin, bon, parce que s'ils savaient que, finalement... la Révolution française est l'objet... Bon, enfin, je ne le développe pas, ça serait un exemple funeste, je m'enfermerai. Mais non, alors, ce qui me paraît important, c'est que on peut dire à la fois que l'histoire est une discipline beaucoup plus intégrée, beaucoup plus conviviale, beaucoup plus conforme à l'idéal de la communauté scientifique. Si tant est que la communauté scientifique soit une communauté, ce qui est une fiction. Une communauté scientifique, c'est un lieu où on lutte pour la vérité. Et je pense que la sociologie... parce qu'elle est conflictuelle et plus intégrée. Voilà. Alors ça, ça va tout à fait à contre-pente des idées reçues. On dit, regardez, au moins les historiens, ils peuvent parler entre eux, ces sociologues, ils se débattent, ils se tripent tous, il n'y en a pas deux qui disent la même chose, etc., etc. Je pense que, contrairement à ce qu'on croit, c'est au nom d'une philosophie tout à fait archaïque et simpliste de la communauté scientifique que l'on peut donner un privilège à l'histoire. Bon, et au nom encore d'un de ces couples débiles, on oppose consensus-conflit. C'est un des grands sujets de dissertation. Pensez-vous que la société repose sur le consensus ou le conflit? Bon, en fait, qui ne voit pas, il suffit que je l'énonce pour que ça devienne évident, qu'il y a une forme de consensus par le conflit. D'abord parce que pour discuter, il faut avoir un terrain d'accord sur les terrains de désaccord. Bon. Et ensuite, parce que à travers le conflit, on s'intègre autrement, non pas dans le compromis ou dans l'évitement, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, bon, chacun a son petit empire, son petit fief, puis on est peinard, l'histoire du Moyen-Âge n'embarrasse jamais l'histoire moderne. Voilà. Et alors, maintenant je prolonge, je pense que la grande faiblesse, alors au fond, tous mes amis sont historiens, hein, donc je suis pas suspect d'être méchant. Je pense qu'une des grandes faiblesses de l'histoire, c'est que, n'étant pas soumise, enfin, à cette espèce d'épreuve permanente que subit le sociologue, qui doit sans cesse justifier d'exister, qui ne peut jamais considérer son existence comme acquise, alors que, par exemple, voilà un exemple très concret, moi, quand je veux faire passer un questionnaire, je me présente comme historien. Dès qu'il y a une situation difficile, je dis à mes étudiants, vous savez, dites plutôt que vous êtes historien, c'est aussitôt accepté, un historien est justifié d'exister, alors qu'un sociologue, c'est bon. Alors donc, le fait donc que la sociologie soit une science à histoire, qui fait des problèmes, qui crée des problèmes, dont l'existence est en question, oblige la sociologie à une espèce de, en tout cas certaines sociologies, à une lucidité permanente sur sa propre existence, à une anxiété du fondement, la fait qu'elle est au fond plus, je crois, plus progressiste scientifiquement. Je ne sais pas si j'ai bien plaidé Je ne sais pas, mais alors, on peut aussi donner une dimension historique à cette tension ou à ce débat dont on vient de parler, parce que est-ce que ce qui caractériserait peut-être la spécificité française par rapport à d'autres lieux, ce serait que au début du siècle, avec la force intellectuelle qui n'était pas forcément accompagnée de la même force institutionnelle de la part de la sociologie, est-ce que dans le projet de Durkheim et de ce que l'on a décrit comme les Durkheimiens, il n'y a pas l'idée que
peut-être à cause de tout ce que tu as mis en œuvre, la sociologie pourrait devenir une sorte de science des sciences, un projet qui engloberait, et il y a sûrement dans ta pratique des restes de ça, parce que tu ne serais sans doute absolument pas d'accord pour définir la sociologie par le fait qu'elle travaille sur ce qui est contemporain. Ce qui est contemporain peut être aussi ancien. Donc la notion de contemporanéité qui pouvait être un partage commode entre les historiens font l'histoire jusqu'au temps présent et le temps présent appartient aux sociologues est complètement récusé. Il suffit d'ouvrir à la fois tes livres, la revue dont tu t'occupes, Acte de la recherche en sciences sociales, pour voir qu'il y a des articles qui portent sur le 19e siècle, qui portent sur des périodes qui ne sont traditionnelles pas dans le questionnaire historien. Alors est-ce que ça, c'est pas une trace ou une marque de ce projet qui a pu exister et qui a été le lieu de débats vifs, disons, entre cette école sociologique française si forte, et puis d'autre part la constitution presque simultanée avec léger décalage des annales autour de Marc Bloch et de Lucien Frève. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette prétention qui, je ne dis pas ça négativement, mais qui peut tout de même nous faire réagir. Oui, moi je pense que, en tout cas pour ma part, j'ai complètement abdiqué l'ambition de la discipline royale, enfin qui était assez nettement constitutive de la sociologie. On peut penser dans la classification des sciences telle que l'a présentée Auguste Comte, chacun sait que la sociologie était au sommet, elle était le couronnement, etc., etc. Et je pense que dans les rivalités entre philosophes et sociologues, il y a toujours l'ombre portée d'Auguste Comte, de son ambition de digérer toutes choses. Bon. Alors, je pense que c'est une ambition qui n'a pas de sens, enfin pour moi, pratique, et de même que une autre ambition qui était alors plus clairement formulée chez Durkheim et qui m'est étrangère, c'est l'ambition qu'on pourrait appeler spinoziste, enfin, de la production d'une vérité transcendante aux intérêts particuliers. Alors, il y a un texte très beau de Durkheim dans l'évolution pédagogique qui est, on croirait, une traduction du fameux texte de Spinoza sur la vérité et l'erreur. Bon, les individus particuliers, on retrouverait ça par exemple chez les économistes, Samuelson dans son grand traité d'économie commence comme ça, les individus particuliers ont une vue partielle et partiale de l'univers économique et ils ne peuvent pas totaliser, ce sont des vues antagonistes, incompatibles, non cumulables, alors que le savant, lui, comme se disait Leibniz disait ça à propos de Dieu, c'est pour ça souvent le sociologue se prend pour Dieu, le sociologue ou l'économiste a le géométral de toutes les perspectives, c'est-à-dire il a le lieu géométrique de tous les points de vue. Bon, hein. Et je pense que cette ambition politique, alors qu'on pourrait appeler technocratique, au fond, Durkheim était le théoricien le plus conscient de la technocratie, le sociologue ayant le savoir du tout peut dire aux individus particuliers mieux que ce qui est bien pour eux. Bon. C'est-à-dire l'erreur est privation, l'erreur est mutilation, elle est le fait de ne voir qu'un petit bout. Bon. France Culture, il est 8h30, l'heure des chemins de la connaissance. Quatrième volet de la rediffusion des entretiens accordés en 1988 par le sociologue Pierre Bourdieu à l'historien Roger Chartier. Aujourd'hui, la notion de champ et le concept d'habitus. Je crois qu'un des problèmes auquel tu te confrontes et qui est aussi un problème partagé par les historiens, c'est ce que tu as appelé la genèse au sein des individus biologiques des structures mentales, c'est-à-dire finalement comment les sujets, les agents sociaux incorporent un certain nombre de structures qui ensuite guident leurs principes de comportement, leur mode de conduite, la hiérarchie de leurs choix, leurs goûts. Et c'est aussi pour essayer de comprendre cette incorporation des structures mentales dans des individus biologiques qui ont quelque chose en commun, d'appartenir à une même espèce, que tu as essayé de proposer une notion opératoire qui n'était pas traditionnelle, au moins dans un état récent des sciences sociales, qui est la notion d'habitus. Alors, ça peut paraître un peu barbare, ce concept et ce mot. Pourquoi l'employer et d'où vient-il finalement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as forgé ou est-ce que c'est en rapport à une autre tradition, alors celle-ci plus ancienne que le vocabulaire employé par exemple dans l'histoire des mentalités et dans les premières formes des annales que tu as situé ce projet?
Oui, la notion d'habitus est une très vieille notion, puisque en fait elle remonte à Aristote, à travers saint Thomas, etc. Mais je pense que la perspective généalogique, enfin que d'ailleurs beaucoup de gens aiment apprendre aujourd'hui, parce que j'ai réactivé ce concept, n'apporte rien sur un concept. En fait, je pense que le fait, ça serait une réflexion au fond sur une bonne police des mœurs conceptuelles, l'usage, je crois, scientifique d'un concept suppose une maîtrise pratique, si possible théorique, enfin, des usages antérieurs et de l'espace conceptuel dans lequel le concept emprunté a été utilisé. Et en fait, à partir de cette maîtrise de l'espace, on peut avoir une ligne théorique, comme on a une ligne politique, à partir d'une intuition des espaces politiques différents à travers lesquels des constantes structurales se maintiennent. Donc, alors la notion d'habitus, telle qu'on la trouve, chez Aristote ou chez saint Thomas ou au-delà, chez des gens aussi différents que Husserl ou Mauss ou Durkheim lui-même, etc., ou Weber. Enfin, bon, cette notion dit toujours quelque chose de très important. Elle dit finalement que les sujets sociaux ne sont pas des, on pourrait dire, mentes momentanées, des esprits instantanés. Mais, autrement dit, pour comprendre ce que quelqu'un va faire, il ne suffit pas de connaître le circuit stimulus, de connaître le stimulus. Il y a, au niveau central, enfin, quelque chose qui se passe, et un système de disposition. Alors, ces dispositions, ce sont des choses qui existent à l'état virtuel, bon, et qui vont se manifester en relation avec une situation, voilà, en gros. Alors c'est un débat extrêmement compliqué, mais la notion d'habitus a plusieurs vertus. Elle est importante donc pour rappeler ça, pour rappeler que les sujets ou les agents plutôt ont une histoire, qui sont le produit d'une histoire individuelle, d'une éducation associée à un milieu, etc., et qui sont le produit d'une histoire collective, et qu'en particulier les catégories de pensée, les catégories de l'entendement, les schèmes de perception, les systèmes de valeurs, etc., sont le produit de l'incorporation de structures sociales. Bon, alors je vais prendre un exemple qui est un peu compliqué, mais je crois qu'il faudra bien comprendre. Bon, ayant à étudier tout à fait récemment les choix des élèves qui, après le lycée, après le bac, enfin bon, vont s'orienter dans cet espace extrêmement compliqué aujourd'hui qu'est le système des institutions d'enseignement supérieur, bon, ayant à expliquer pourquoi, il faut imaginer ça comme une espèce de forêt, bon, il y en a qui vont partir à gauche, d'autres à droite, d'autres qui vont se perdre dans des méandres, dans des labyrinthes, etc. Bon, comment les gens choisissent? Pourquoi les uns vont plutôt vers l'école normale, les autres plutôt vers l'école polytechnique, les autres plutôt vers l'ENA, etc. Bon, j'ai été amené à dire, bon, sur la base de données, hein, de données empiriques, sur la base d'une étude des choix effectués, hein, et des propriétés des gens qui effectuaient ces choix et de la relation entre les deux, j'étais amené à dire que tout se passe comme si, le tout se passe comme si est important, les agents sociaux, dans le cas particulier les aspirants étudiants, avaient intériorisé une structure d'opposition, qui est la structure d'opposition objective dans cet espace dans lequel ils vont entrer. C'est-à-dire l'opposition, en gros, entre HEC et l'école normale. D'un côté, les affaires, de l'autre, les choses intellectuelles. Bon. Et ils ont donc des systèmes de préférence qui sont acquis dans leur famille. On trouvera plutôt des fils de profs à l'école normale et plutôt des fils de commerçants à HEC. Bon, qu'est-ce qui est déterminant de ces choix? C'est la préférence, le choix dans cette alternative qui est très structurante de la mentalité moderne, art-argent, qui est une des grandes oppositions, désintéressé, intéressé, pur, impur, esprit, corps, etc. Bon, cette opposition tout à fait fondamentale qui va déterminer les préférences en matière d'automobile, les préférences en matière de journal lu, les préférences en matière de vacances, le rapport au corps, je pense même la sexualité, etc. Cette opposition va, qui existe dans l'objectivité, sous forme de distribution, de pratiques, sous forme de structure, distribution de produits, etc., elle va être intériorisée sous forme d'un système de préférence ayant à choisir entre une position intéressante intellectuellement mais peu payée, etc., et une position économiquement très payante mais perçue comme non intéressante intellectuellement. Si je suis fils de professeur, je choisirai la première. Bon, voilà, en gros. Alors, voilà un exemple, je ne sais pas, peut-être que je l'ai mal raconté.
mais de cas où une structure objective, l'opposition des grandes écoles, qui est un système extrêmement compliqué, devient une structure subjective, enfin une catégorie de perception et d'appréciation, un système de préférence. Alors par quelle médiation ? Alors ça c'est tout un travail, mais voilà un exemple. Bon. Oui, c'est là où la discussion du point de vue des historiens peut entrer, c'est-à-dire que en travaillant avec cette notion, il y a une première question qui peut se poser, c'est celle que Panofsky posait lorsqu'il étudiait les homologies qui pouvaient exister à un moment donné entre les formes de l'architecture et les formes de la pensée, c'est quel est le lieu, la matrice sociale qui permet cette inculcation de dispositions suffisamment stables pour fonctionner dans des champs d'application extrêmement divers. Et alors là, est-ce que on peut lire ce que tu as fait plutôt en penchant du côté d'une incorporation très originelle en quelque sorte? Et il y a dans certains des textes, en particulier dans le livre Le sens pratique, l'idée que les choses se jouent très tôt et que la prime enfance peut être le moment décisif de cette sorte de transmission de la structure sociale à l'intérieur des individus avant même le maniement du langage, avant même la pensée rationnelle et maîtrisée. Ou bien est-ce que tu crois que les dispositifs institutionnels, par exemple l'école auxquels tu as donné tant de temps et tant d'études, viennent ajouter, renforcer, corriger ce qui pourrait être la première incorporation au niveau de ce rapport de gestes, de comportement qui passe par le non-dit. Et je crois qu'il y a là un grand débat, puisque c'est celui qui pose la question de l'importance relative de l'institution, au sens de la structure institutionnelle d'un côté, et de l'autre côté, tout ce qui passerait par ce voir-faire et ce oui-dire, qui est celui d'une sorte de matrice même des comportements au sein du rapport avec les parents et dans le plus petit des cellules sociales, c'est-à-dire celle de la famille nucléaire, comme on dit, les parents et les enfants. Oui, un préalable d'ailleurs à la réponse, je veux saisir l'occasion pour faire voir à quel point l'opposition individu-société sur laquelle repose toute une série de débats actuels, holisme, individualisme, etc., est absurde, enfin, dans la mesure où, pour dire simplement, enfin, la société, bon, c'est voilà un de ces mots théologiques, enfin, la société, faire une phrase dont le sujet est la société, c'est s'engager à faire du nonsense. Bon. Mais, bon, cela dit, je suis obligé de parler comme ça pour aller vite. La société existe de deux façons. Elle existe dans l'objectivité, sous forme de structures sociales, de mécanismes sociaux, par exemple les mécanismes de recrutement des élèves des grandes écoles, ou les mécanismes du marché, etc. Bon. Et elle existe aussi dans les cerveaux, dans les individus. Autrement dit, la société existe à l'état individuel et à l'état incorporé. Bon. Autrement dit, l'individu biologique socialisé, c'est du social individué. Bon. Donc le problème... Alors cela dit, ce qui ne veut pas dire que le problème du sujet des actions ne se pose pas. Et est-ce que le sujet est un sujet conscient ou un sujet pas conscient? Et là, ça, on reviendrait au problème que tu poses de la jeunesse de l'individu, des conditions sociales d'acquisition de ces structures fondamentales de préférence. Est-ce que les jeux sont faits très tôt? Alors, c'est un problème extrêmement compliqué. Je pense que il y a une irréversibilité relative, c'est-à-dire que pour une raison logique assez simple, c'est que toutes les stimulations externes, toutes les expériences, bon, seront à chaque moment perçues à travers des catégories déjà construites. Bon. Donc il y a une espèce de fermeture, et je pense que par exemple le vieillissement peut être défini comme une sorte de fermeture progressive de ces structures. La personne qui vieillit, c'est une personne qui précisément a des structures mentales de plus en plus rigide, enfin bon, donc de moins en moins élastique par rapport aux sollicitations, aux stimulations, etc. Bon. Mais ceci est en place très tôt. Par exemple, l'opposition masculin-féminin, je vais publier très vite une communication que j'ai entendue à Chicago, magnifique, d'une psychologue qui a fait des travaux expérimentaux sur l'apprentissage de la différence entre les sexes, et c'est tout à fait extraordinaire de voir que dans des nursery schools, enfin, avant 3 ans, les garçons et les filles apprennent comment se conduire avec un garçon, avec une fille, ce qu'on peut s'attendre à recevoir, par exemple, des coups ou des gentillesses d'un garçon ou d'une fille. Et ces mécanismes sont mis en place très tôt. Bon, et alors, si on pense que les mécanismes de la division du travail sexuel sont
très fondamentaux, par exemple pour la politique. Toutes les oppositions politiques sont des oppositions sexuelles, soumission, domination, c'est dessus, dessous, etc. Bon, si l'on pense donc que les schèmes corporels de la perception de la division du travail entre les sexes sont très constitutifs de la perception du monde social, bon, on a tendance à penser dans une certaine mesure, les premières expériences sont très fortes. Alors, cela dit, par exemple, un très très grand psychosociologue ou sociologue russe qui s'appelle Vygotsky, qui s'inspire de Piaget, mais qui introduit une dimension sociogénétique, enfin que Piaget laisse au second plan, disons. Vygotsky essaie d'analyser l'effet propre de l'enseignement scolaire. Et il dit des choses tout à fait passionnantes, en particulier, bon, pour prendre un exemple, parce que c'est un très très long débat, il parle de l'exemple du langage, je crois qu'il peut être généralisé. Les enfants arrivent à l'école sachant leur langue, et pourtant ils apprennent la grammaire. Et au fond, un des effets majeurs de l'école serait le passage de la pratique à une métapratique, autrement dit au méta. Donc l'habitus, c'est pas un destin, c'est pas un caractère intelligible, ce n'est pas fatum, enfin comme on me le fait dire, c'est un système de disposition ouvert, donc qui va être constamment soumis à des expériences et du même coup transformé par ces expériences. Cela dit, je vais tout de suite corriger, il y a une probabilité qui est inscrite dans le destin social associé à une certaine condition sociale, que les expériences confirmeront l'habitus. Bon. Autrement dit, que les gens auront les expériences conformes aux expériences qui ont formé leur habitus. Bon. Et du même coup, cela dit, maintenant je veux dissiper une autre difficulté. Je suis un peu long, mais je crois que c'est important pour lever des malentendus. L'habitus ne se révèle, j'ai dit, c'est un système de virtualité, finalement. Il ne se révèle qu'en référence à une situation. Et contrairement à ce qu'on me fait dire très souvent, l'habitus n'est pas ce qui... C'est dans la relation avec une certaine situation que l'habitus produit quelque chose. Bon. Il est comme un ressort, bon, mais il faut un déclencheur. Bon. Et selon la situation, l'habitus peut faire des choses inverses. Je prends un exemple tout de suite, qui je crois, c'est dans mon travail sur les évêques. Alors, ça concerne beaucoup les historiens. Bon, j'avais une population longitudinale. Les évêques sont des gens qui vivent très très vieux. Et dans la synchronie, bon, j'avais des gens côte à côte de 35 ans et de 80 ans. Donc des gens qui avaient été constitués comme évêques dans des états du champ religieux tout à fait différents, bon. Qui était devenu évêque en 33 ou en 36, en 45 et en 80. Bon. Alors, j'avais l'origine sociale, bon, j'avais des fils de nobles, par exemple. Bon. Eh bien, les fils de nobles, qui dans les années 30 auraient été évêques de Meaux, qui auraient fait baiser leur anneau aux fidèles dans les paroisses, etc., bon, dans une tradition aristocratique, enfin quasi féodale, bon, que Duby évoque dans ses livres, bon, sont aujourd'hui évêques de Saint-Denis, donc c'est-à-dire évêques rouges, radicaux, et à mon avis, si on comprend bien ce que c'est qu'un habitus, on comprend que le même habitus aristocratique de distance au moyen, de distance au banal, au trivial, au petit bourgeois, pour dire les choses, bon, puisse produire l'inverse, dans des situations inverses. Autrement dit, c'est l'habitus qui, en quelque sorte, constitue la situation, c'est la situation qui constitue l'habitus. C'est une relation extrêmement complexe. Selon l'habitus que j'ai, je verrai ou je ne verrai pas certaines choses dans la même situation. Et voyant ou ne voyant pas cette chose, je serai incité par mon habitus à faire ou à ne pas faire certaines choses. Autrement dit, c'est une relation extrêmement complexe, mais que je crois toutes les notions ordinaires, sujet, conscience, etc., ne permettent pas de penser. Est-ce que tu crois qu'il y a un traitement historien possible de cette, ou un maniement historien possible de cette notion? Et là, en t'écoutant, évidemment, on est frappé par des parentés et des différences avec un autre des auteurs qui emploie la notion d'habitus assez familièrement et fréquemment, qui est Norbert Elias, lui aussi sociologue, lui aussi historien dans un sens, mais qui le manie. Il y a plusieurs historiens, je dois dire, dont je suis, ont essayé de prolonger ou de manier cette réflexion pour essayer de comprendre comment, sur un procès de très longue durée, finalement, les catégories du mental, mais plus profondément encore que les catégories du mental, toute l'économie psychologique des individus a pu être modifiée avec cette idée que, est-ce qu'on peut historiciser l'objet que désigne la psychanalyse? Alors, est-ce que tu crois que c'est une perspective possible, celle-ci? C'est-à-dire qu'elle introduit une notion de processus
l'entreprise qui est une notion avec laquelle tu n'es pas ordinairement, tu ne travailles pas ordinairement, puisque le travail est ordinairement entre des habitus qui se développent et qui engendrent des appréciations, des perceptions et des actions dans un moment donné, dans un champ donné. Est-ce que ça veut dire par là que tu récuses comme un peu téléologique ou comme un peu trop macroscopique une telle perspective, écrasant en quelque sorte la complexité de la réalité, ou est-ce que c'est simplement parce que les objets sur lesquels tu travailles, même s'ils ont une dimension historique, ne prétendent pas à une histoire de la très longue durée, puisque par définition, ils se situent dans des champs, c'est-à-dire dans des espaces qui, à un moment donné, sont constitués comme unifiés par des enjeux, par des positions et par des places. Bon, c'est une question extrêmement difficile. C'est vrai que j'ai une sorte de suspicion, de défiance méthodique ou méthodologique à l'égard des grandes lois tendancielles, qui ont fleuri évidemment dans le marxisme et dans le post-marxisme, et qui, je crois, sont toujours la tentation à la fois des historiens et de certains sociologues. Bon. Et je pense que, un des réflexes professionnels que j'essaie d'inculquer, c'est la défiance à l'égard des comparaisons du type avant-après. C'était mieux en 40 qu'en 45. Est-ce que c'est plus démocratique, moins démocratique? Voilà un exemple typique, enfin, sur le système scolaire. Les gens s'empaillent pour des faux problèmes. Est-ce que la démocratisation, sans voir que on a affaire à deux structures totalement différentes dans lesquelles les taux de représentation, par exemple, des fils d'ouvriers qu'on absolutise n'ont pas du tout le même sens. Enfin bon, autrement dit, je pense qu'il faut, enfin en tout cas pour ma part, je prêche beaucoup la défiance à l'égard de ces comparaisons et a fortiori des grandes lois tendancielles. Bon, le processus de rationalisation chez Weber, par exemple, ou ce processus dont Elias a développé un certain aspect de monopolisation par l'État de la violence physique, etc., etc. Bon. Parce que je pense effectivement il y a le danger de téléologie, parce qu'il y a aussi la tendance à transformer du descriptif en explicatif. Je pense la notion d'enfermement chez Foucault, enfin, il y a toutes les notions comme ça qui me mettent en état un petit peu de malaise. Bon, alors, ayant dit cela, je dirais que la problématique d'Elias est au fond celle qui m'est le plus asympathique parmi ces problématiques, parce que effectivement il prend pour base d'une psychosociologie sociale historique évolutive, un grand processus réel qui est la constitution d'un État qui monopolise d'abord la violence physique, mais moi j'ajoute la violence symbolique, enfin il faut monopoliser toutes les formes d'autorité, le système scolaire, c'est un énorme progrès dans le sens de la monopolisation du droit de dire qui est intelligent, par exemple, ou des droits de dire qui est bête, des droits de dire, etc. Alors ce processus ne peut pas ne pas avoir des effets sur ce que j'appellerais les habitudes, c'est-à-dire je crois qu'on est, ou sur ce que les historiens, d'un mot un peu mou et dangereux parce que ces mentalités primitives, etc., appellent les mentalités. Bon. Plus précisément, il y a une autre question qui est celle des conditions sociales, de la constitution, tu as parlé de censure, tu as parlé. Alors ça, je crois que un programme de recherche. Et là, encore une fois, Elias l'esquisse magnifiquement bien à propos de l'exemple du sport. On serait d'analyser avec des indicateurs indirects comme le sport l'état de la licéité de la violence, quoi, dans une société déterminée. Bon, et alors là, je pense que c'est un très bon programme. Alors, étant entendu que la violence devrait être appliquée sous toutes ses formes, la violence physique, mais aussi la violence symbolique, l'insulte. Et là, on trouverait des travaux comme ceux de Claverie et La Maison, qui sont très intéressants à ce titre, qui montrent que dans les sociétés paysannes, enfin, un certain type de violence était toujours présent, et qu'on ne peut pas comprendre un certain nombre de mécanismes dans ces sociétés si on ne voit pas que la violence symbolique et physique, enfin, même chose par exemple pour la Kabylie, on ne peut absolument pas comprendre la civilisation de l'honneur si on ne sait pas que c'est des sociétés dans lesquelles une insulte implique qu'on risque sa vie. Bon. Par exemple, je pense que la vie des intellectuels serait totalement transformée s'ils risquaient leur vie chaque fois qu'ils insultent quelqu'un. Non, mais il y a des meurtres symboliques aussi. Enfin, bref, il y aurait à discuter sur ces problèmes. Oui, on peut peut-être rester
un moment sur l'exemple du sport qui nous a réunis un temps un peu en, non pas en marge, mais enfin comme une partie simplement de l'activité, parce que je crois que c'est un exemple qui à la fois permet de comprendre ce qui est d'important dans ce travail de type sur psychosociologique, c'est-à-dire les conditions de possibilité au niveau de l'habitus qui rendent possible une confrontation sans destruction, qui rendent possible un affrontement sans que la vie soit en jeu. Et en même temps, il permet peut-être de bien mettre en place ce qu'est la notion même de champ, qui est l'autre grande dimension, puisque tu as dit tout à l'heure en commençant, habitus, oui, mais le fonctionnement d'un habitus dépend pas simplement de sa structure intrinsèque, il dépend du lieu dans lequel il s'exerce. Et si le champ a changé, le même habitus produit des effets différents. Alors cette notion de champ, je crois qu'elle est aussi une notion qui permet de penser la discontinuité. Absolument. Et qu'on retrouverait un peu le problème du nominalisme, c'est-à-dire qu'il faut bien, dans la langue, scientifique ou non, avoir des mots pour désigner des espaces, des lieux, et que ces mots peuvent être apparemment stables, mais que derrière cette stabilité, ce qui est important, c'est les configurations spécifiques qui les visent. Alors, on peut démontrer sur la politique, en montrant comment il y a toujours de la politique, mais que la politique telle que nous l'entendons renvoie à un certain moment, à la constitution d'un certain type d'enjeu, peut-être à un certain fonctionnement du débat, etc. Et dans le cas du sport, même chose, on peut dire que depuis les Mayas jusqu'à aujourd'hui, il y a des exercices physiques, et pourtant ce que l'on peut définir comme l'espace du sport n'est pas depuis les Mayas, il est à un certain moment. Donc je crois que c'est là où la problématique historienne sociologique se mêle complètement, c'est l'analyse des conditions d'émergence de ces espaces relativement unifiés ou suffisamment unifiés pour permettre que l'on puisse y désigner des positions occupées par des acteurs, ces positions dépendant à la fois des acteurs et en même temps les modelant. Oui, c'est là encore ce qui me rapproche et me sépare de Elias, parce que je pense que Elias est plus sensible à la continuité que moi, et je pense que, par exemple, enfin dans le cas du sport que tu as rappelé, bon, moi il me paraît dangereux, enfin, de faire comme tant d'historiens du sport une généalogie continue, enfin depuis les Jeux Olympiques de l'Antiquité jusqu'aux Jeux Olympiques d'aujourd'hui. Autrement dit, là il y a une continuité apparente qui masque une formidable rupture au XIXe siècle avec les boarding schools, avec le système scolaire, la constitution d'un espace sportif. Bon, autrement dit, il n'y a rien de commun entre les jeux rituels comme la soule, etc. Bon, et le football. Bon, c'est une coupure totale. Bon. Alors, cela dit, et le problème serait le même, et c'est là que ça devient plus étonnant, si on parle des artistes. Parce que en fait, on a envie de dire, mais oui, Michel-Ange et Jules II, c'est la même chose que Pissarro et Gambetta. Bon, en fait, je suis pas sûr que ce soit contemporain, si je me trompe, tu me corriges. En fait, il y a des discontinuités formidables, et il y a une genèse de la discontinuité. C'est là que ça devient intéressant. Dans le cas du sport, c'est un cas où la discontinuité est assez brutale. On voit apparaître ça assez brutalement, enfin, en liaison avec les internats, etc. La charnière 18e, 19e. Voilà. En Angleterre, ouais. Alors que pour le champ artistique, c'est tout à fait étonnant. On a l'impression que c'est un univers qui n'en finit pas de se constituer. Bon, ça commence au Quattrocento, peut-être avant, et puis peu à peu, comme par des touches successives. Enfin, on invente la signature de l'artiste, on invente l'évaluation de l'œuvre selon des critères autres que le prix de la peinture, etc. etc. Bon. Et il faut arriver pratiquement jusqu'à Manet, la révolution impressionniste, enfin, bon, pour que le champ artistique commence à fonctionner vraiment en tant que tel. Autrement dit, que pour qu'un univers dans lequel on peut vraiment parler d'artiste, je pense que dans le domaine de la littérature, on pourrait faire la même chose, dire que paradoxalement, avant Flaubert, il n'y avait pas d'artiste. Bon, si bien que, alors là je vais fort, mais c'est pour choquer l'historien, je pense que c'est un anachronisme de dire que Michel-Ange est un artiste. Je pense que, alors, bien sûr les historiens ne sont pas naïfs et se posent le problème, mais ils le posent en termes, à mon avis, naïfs, à quel moment on passe de l'artisan à l'artiste. Bon, comme si c'était une espèce de... Bon, c'est, le problème c'est, on passe pas de l'artisan à l'artiste, on passe de l'univers dans lequel on a des gens qui produisent selon des normes qui sont celles de l'économie, qui sont au fond les normes de celle de la production ordinaire, à un univers isolé à l'intérieur de l'univers économique, qui est un univers économique renversé, enfin, où on produit par exemple sans marché, où pour produire, il faut avoir assez de capital pour tenir en sachant qu'on ne vendra pas un seul produit de toute sa vie. Bon, ce qui a été le cas de la plupart des poètes à partir bon, de Mallarmé, etc. Bon, alors ça, je pense qu'il faudrait développer l'analyse plus longuement, mais lorsque nous disons, nous projetons rétrospectivement
effectivement le concept d'artiste sur les périodes antérieures à 1880, en gros, bon, ou d'écrivain, nous commettons des barbarismes absolument fantastiques. Et du coup, nous ne voyons pas des problèmes de genèse, non pas d'un personnage, mais d'un espace dans lequel ce personnage peut exister en tant qu'artiste. Mais est-ce que tu ne crois pas que la lecture des liens, à toi comme à moi, c'est-à-dire au sociologue comme à l'historien, amène une grande question, qui est la place que l'on fait aux formes de l'exercice du pouvoir et à l'État dans cette constitution progressive des champs, et que, bien entendu, une certaine histoire, soit sociale, soit des mentalités, mais peut-être même aussi une certaine sociologie attachée à la description de chacun des champs séparés de l'ensemble social global dans lesquels ils sont inscrits, avait pu oublier. Il me semble que c'est là où sa pertinence est forte. Elle est de rappeler que, soit par soustraction, soit par imposition, ces champs se constituent dans le rapport à l'État, soit parce qu'ils sont eux-mêmes une sorte d'émanation, et ce champ qu'on ne pourrait pas appeler artistique à l'époque du mécénat et à l'époque de ces artistes travaillant pour une économie, mais qui est largement une économie qui n'est pas une économie de marché immédiatement, mais qui est largement une économie contrôlée, monopoliste d'État, ou bien au XIXe siècle, cet espace autre, qui est en dehors justement de la sphère du politique et de l'économique, finalement sont largement guidés par les formes successives, compris l'exercice du pouvoir. Oui, cela dit, là encore je divergerai avec Elias, parce que je pense qu'il est weberien, hein, et en fait ce que tu lui attribues c'est du Weber. Ça, c'est pas du tout pour diminuer les mérites d'Elias, parce que de refaire fonctionner vraiment un schème qui a été inventé par un grand savant, c'est déjà un acte scientifique formidable, et si tous les savants étaient à la hauteur de leur passé. France Culture, un peu plus de 8h30, l'heure de chemin de la connaissance. Dernier volet des entretiens accordés en 1988 par Pierre Bourdieu à l'historien Roger Chartier et qui sont rediffusés en hommage aux sociologues disparus aujourd'hui, Manet, Flaubert le plus sociologue des romanciers, plus que Balzac, et puis la question de l'écriture en sociologie. Il me semble que ton travail dans ces derniers développements s'oriente vers des voies un peu inattendues, en particulier par cette étude proposée sur Flaubert, Manet, un moment particulier de l'histoire du champ esthétique, littéraire et pictural. Est-ce que ça veut dire que c'est une manière d'essayer de se disculper de ce que l'on attribue traditionnellement à la sociologie, en particulier à celle que tu as fait, l'ennui de la quantification, la complexité de la statistique, et par ce retour à des individualités et puis à un objet plus noble, parce que comment quelqu'un qui a écrit un livre sur la distinction peut s'occuper d'objets aussi peu distingués que ceux qui sont des consommations alimentaires ou des goûts les plus ordinaires, peut-être là trouverait la manière de relégitimer tout son travail en se portant vers les objets les plus légitimes. Alors est-ce que là tu n'es pas en train de te soumettre toi-même à un certain nombre d'analyses que tu as proposées en voulant redistinguer par l'objet et non plus par le travail? Oui, certains ne manqueront pas de le dire, enfin que c'est associé. Ah mais je l'ai dit. Non, c'est associé au vieillissement et à la consécration sociale, c'est-à-dire que non, mais ce qui est d'ailleurs une loi commune, enfin de l'évolution des savants, enfin le vieillissement n'est pas du tout un phénomène biologique, mais des poètes d'ailleurs c'est pareil. Tu ne sembles pas absolument décatique. La consécration, mais vieillissement, voilà, la consécration s'accompagne très souvent d'un changement des objets, c'est-à-dire plus on est consacré dans un champ, plus on a droit à des ambitions planétaires. Bon, et par exemple, les savants ont souvent une deuxième carrière en tant que philosophe. Bon, mais moi j'ai le sentiment que ce n'est pas le cas et que c'est la logique même de mon travail qui m'a amené. Alors, on pourrait ajouter à la liste que tu as donnée Heidegger, c'est-à-dire un autre penseur central, au fond Flaubert, Manet, Heidegger pourraient être considérés, si on voulait faire un palmarès, comme les plus peintres des peintres, le plus écrivain des écrivains, le plus philosophe des philosophes. Bon, donc pourquoi arriver à tuer des choses comme ça? Je pense que ce qui m'y a conduit, c'est enfin la logique normale de mon travail, et en particulier la recherche de la compréhension du processus de genèse d'un champ. Parce que dans le cas, en tout cas, de Flaubert et de Manet, je pense que ce sont des personnages qui vont être considérés, au fond, comme des fondateurs de champs. Je prends l'exemple de Manet qui est le plus net. On avait une peinture académique, enfin une peinture d'État, on avait des peintres d'État, des peintres fonctionnaires, bon, qui étaient à la peinture ce que des professeurs de philosophie sont à la philosophie.
bon, sans méchanceté, hein. C'est-à-dire des gens qui avaient une carrière de peintre, qui étaient recrutés par des concours, qui avaient des classes préparatoires, l'équivalent exact des classes préparatoires aux grandes écoles, avec les mêmes procédures de bizutage, de nivellement, d'abrutissement et de sélection. Bon, et puis un personnage arrive, qui est Manet, passé par ces écoles, c'est extrêmement important. Ça, c'est une chose que Weber dit en passant dans son livre sur le judaïsme antique. Il dit, on oublie toujours que le prophète sort du rang des prêtres, et que Grand Thérésiarque est un prophète qui va dire dans la rue ce qui se dit normalement dans l'univers des docteurs. Bon. Alors Manet, dans ce cas, il est l'élève de couture, c'est un peintre semi-académique, alors il commence déjà à faire des histoires dans l'atelier de couture, il critique la manière de faire asseoir les modèles, etc. Il critique les poses à l'antique. Il y avait ces extraordinaires trucs, des appareils sur lesquels on mettait le modèle pour qu'il puisse tenir. Il était ligoté pour faire un Saint-Sébastien pendant des heures, etc. Bon, il critique tout ça. Et puis, il commence à faire une chose absolument extraordinaire, comme un premier collé du concours de l'école normale, enfin, bon, qui se mettrait à contester l'école normale. C'est-à-dire, au lieu d'intérioriser la sanction sous la forme de la malédiction, chose que nous connaissons bien dans l'univers universitaire. Bon, il conteste l'univers, bon, et il le défie sur son propre terrain. Bon, voilà. Alors là, c'est le problème de l'hérésiarque, bon, le chef de secte, bon, qui affronte l'Église et lui oppose, enfin, un nouveau principe de légitimation, un nouveau goût. Bon, hein, un nouveau goût. Alors, bon, le problème est de se demander comment ce goût apparaît, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a du côté de Manet dans son capital, son origine, sa famille, mais surtout son univers social, de relations, ses amis, etc. Alors là, je fais un travail que bizarrement jamais aucun historien, Dieu sait, sur Manet, il en sort un livre par jour, que jamais aucun historien n'avait fait, ou alors de façon purement anecdotique, j'essaie d'étudier, par exemple, l'univers des amis de Manet, l'univers des amis de la femme de Manet, qui était pianiste et qui jouait du Schumann, ce qui était l'avant-garde à l'époque, etc. Bon, de manière à résoudre, par exemple, une question tout à fait fondamentale, celui qui saute hors d'une institution comme l'institution universitaire ou l'institution académique saute dans le vide. Et j'ai évoqué le drame du premier collé, parce que beaucoup, des auditeurs ont au moins une connaissance indirecte de cette expérience. Le problème du premier collé, c'est qu'il ne peut même pas penser à contester l'institution qu'il a collée, ça ne lui vient même pas à l'esprit. Et s'il y pense, enfin, il se trouve rejeté dans le néant. Manet, là, est-ce que si je ne fais pas de la peinture académique, est-ce que je ne cesse pas d'exister? On va dire, il ne sait pas la perspective. Et comment prouver qu'il la sait, mais qu'il fait exprès de ne pas la respecter, etc. Bon. Alors tous ces problèmes-là, c'est-à-dire la solitude de l'hérésiarque, par exemple, et le fait qu'il faut avoir, on dirait aujourd'hui, du culot pour résister à l'excommunication, bon. Pour résoudre ce problème, il faut comprendre ce que Manet avait comme ressources qu'on appellerait psychologiques, mais qui en fait ont des bases sociales. C'était ses amis, ses relations artistiques, etc. Voilà le travail que je fais. Alors je vais au plus individuel. Du plus individuel, la particularité de Manet, à ses rapports avec ses parents, etc., à ses rapports avec ses amis, au rôle des femmes dans ses relations, et en même temps à l'étude de l'espace dans lequel il se situait pour comprendre ce qui me paraît être le commencement de l'art moderne. Bon, alors aujourd'hui, on parle beaucoup de modernisme avant de se demander ce que c'était que l'art moderne. Bon, oui, mais le commencement de l'art moderne, c'est pas tout à fait la même chose que l'instauration d'un champ de la production picturale, parce que un homme, comment peux-tu à ce moment-là soutenir, enfin peut-être comme moment symbolique, comme individu typique, mais la constitution globale du champ, qui implique aussi les positions de ceux qui ne font pas de l'art moderne, renvoie nécessairement à d'autres déterminants. Ou est-ce que tu penses que simplement le coup de tonnerre que donne Manet recompose tout un ensemble de positions pour les faire cohabiter comme des positions contradictoires et affronter à l'intérieur de quelque chose qui est neuf et qui est justement ce champ? Ouais, tu as tout à fait raison de me corriger. Enfin, moi, je donnais une vision au fond tout à fait classique du révolutionnaire, solitaire, isolé, exclu, etc. Et j'étais tout à fait mauvais. La vérité, c'est ce que tu dis, c'est que Manet institue un univers dans lequel plus personne ne peut dire qui est peintre et ce que c'est que de peindre comme il faut. Bon, c'est-à-dire, pour employer un grand mot, un monde social intégré, enfin celui que régissait l'académie, est un monde dans lequel il y a un nomos, c'est-à-dire une loi, hein, fondamentale et
un principe de division. Le mot grec nomos vient du verbe nemo, qui veut dire diviser, partager. Bon, et je pense que une des choses que nous acquérons à travers la socialisation, ce sont des principes de division, qui sont en même temps des principes de vision. C'est masculin, féminin, sec, humide, chaud, froid. Bon. Il y a un monde bien intégré, académique, un appareil, bon, dit, ça c'est un peintre, ça ce n'est pas un peintre. Ça c'est un peintre parce qu'il est patenté, parce que l'État dit que c'est un peintre, parce qu'il est certifié peintre, il a un certificat de peintre. Bon, c'était ça l'académie. Du jour où Manet fait son coup, plus personne ne peut dire qui est peintre. Bon, et autrement dit, on passe du nomos à l'anomie, c'est-à-dire à un univers dans lequel tout le monde est légitimé à lutter à propos de légitimité. Plus personne ne peut dire « je suis peintre » sans trouver quelqu'un qui dira « non, tu n'es pas un peintre » et je peux, au nom de ma prétention à la légitimité, contester ta légitimité. Et bon, pour c'est toi, ça, c'est ça la définition c'est ça, le champ moderne. Du champ. Oui, c'est ça le champ moderne. Et le champ scientifique est de ce type. C'est-à-dire c'est un univers dans lequel il y a légitimité, il est question de la légitimité, mais il y a lutte à propos de la légitimité. C'est-à-dire un sociologue peut toujours être contesté dans son identité de sociologue. Alors, plus le champ avance, plus son capital spécifique s'accumule, plus pour contester la légitimité d'un peintre, il faut avoir du capital spécifique de peintre. C'est-à-dire, apparemment, par exemple, les formes de mise en question radicale, les peintres conceptuels, par exemple, d'aujourd'hui, qui apparemment, ça a commencé par des lacérations de toiles, etc., mettent en question la peinture, en fait, doivent avoir une formidable connaissance de l'histoire de la peinture pour mettre en question adéquatement la peinture, picturalement, et non pas comme un iconoclaste primaire. Bon, l'iconoclaste spécifique accompli par un artiste suppose une maîtrise virtuose du champ artistique. Bon, ça, ce sont des paradoxes, mais qui apparaissent dès le moment où il y a un champ. Ce qui fait que la naïveté, il peint comme mon fils en fait autant, etc., est typiquement une naïveté de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un champ. Bon, un autre exemple, alors qui est encore plus net, que je prends toujours parce qu'il fait comprendre, c'est l'exemple du douanier Rousseau, bon, qui était un naïf. Enfin, le naïf n'apparaît que quand il y a un champ. C'est-à-dire, de même que le naïf religieux n'apparaît quand il y a un champ religieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui devient peintre pour les autres. C'est un peintre pour autrui. On pourrait dire c'est Picasso, Apollinaire, etc., qui ont fait du douanier Rousseau un peintre en le pensant à partir du champ de la peinture. Mais lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. Alors, l'opposé du douanier Rousseau, c'est Duchamp, bon, qui est au fond le premier à avoir maîtrisé de manière quasi parfaite, enfin, ce qui ne veut pas dire consciente, les lois du champ artistique, et le premier à avoir joué de toutes les ressources que donne précisément cette institutionnalisation de l'anomie. Mais alors, si on applique la même perspective sur ce qui constitue les sciences sociales. Est-ce que tu dirais que la constitution d'une discipline comme discipline est l'équivalent de la constitution d'un champ tel que tu viens de le décrire pour le champ de la production picturale? Oui, alors il faut qu'il y ait un jeu et une règle du jeu pratique. Alors la différence entre un champ, un champ ressemble beaucoup à un jeu. Il y a beaucoup de choses que Huizinga par exemple dit à propos du jeu pourrait se dire d'un champ. Une des différences majeures étant que le champ est un lieu où il y a une loi fondamentale, il y a des règles, mais il n'y a pas de nomothète. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit comme pour un sport, voilà, une fédération qui aurait dit telle règle, telle règle, telle règle. Et finalement, il y a des régularités immanentes à un champ, des sanctions, des censures, des répressions, des récompenses, etc., sans que tout ça ait été institué. Bon, donc l'analogie avec l'institution est un peu dangereuse. D'autre part, le champ artistique, par exemple, c'est la particularité d'être le moins institutionnalisé de tous les champs. Il y a relativement peu d'instances de consécration, enfin bon, on peut dire la biennale, des choses comme ça, mais par rapport, par exemple, au champ scientifique, le champ ou au champ universitaire, bon, le champ artistique est relativement peu institutionnalisé. Donc, alors, cela dit, il y a champ, oui, on peut dire, par exemple, prenons l'exemple de la philosophie. Dès le moment où quiconque veut entrer dans le jeu philosophique, c'est le cas de Heidegger, pour prendre cet exemple-là, avec des idées qu'on peut appeler nazies, ayant à dire, on est obligé de se plier sans même procéder par une opération consciente, hein, à un ensemble de lois de fonctionnement de l'univers, et par exemple, être antisémite, bon, ça deviendra être anticancien.
Bon, alors il y a des médiations. Kant, en tant que expression du rationalisme, etc., etc., était défendu à l'époque où Heidegger apparaissait par des juifs, etc., etc. Bon, cela dit, ce qui est intéressant, c'est l'espèce d'alchimie que le champ impose. Ayant à dire donc des choses nazies, si je veux les dire de telle manière que je sois reconnu comme philosophe, je dois les transfigurer, au point que la question de savoir si Heidegger est nazi ou pas nazi n'a aucun sens. Mais il est certain qu'il était nazi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a dit des choses nazies dans un langage ontologique. Bon, ça sera la même chose pour quelqu'un qui veut faire la sociologie, a fortiori les mathématiques. Oui, là je crois que, alors de point de vue des historiens, à la fois un emprunt et une question. L'emprunt, c'est que ce que tu avances là permet de se sortir de ce qui avait pu être des grandes naïvetés réductionnistes. Et les historiens, passant d'une analyse des positions sociales, des structures sociales, à une analyse des objets ou des pratiques culturelles, ont pratiqué, plus autant que d'autres, parfois plus que d'autres, une sorte de court-circuit, ouais. Et mettant en rapport directement la production et la position. Alors ceci soit à l'échelle de l'individu, en mettant très mécaniquement en rapport ce qui était produit et ce qu'était l'individu producteur, ou alors à l'échelle de groupe, et en particulier beaucoup de discussions sur les formes de la culture populaire, ouais. Avec tous les guillemets qu'on voudrait, se sont enlisées dans cette mise en rapport sans aucune médiation. Alors je vois que la notion de traduction, de médiation, de retravail dans une langue et dans un système qui est imposé par l'état du champ par rapport aux positions est un apport décisif. Ouais. Même question que pour la perspective sur la notion d'habitus, la question, elle vient sur la longue durée. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait du champ avant le champ? Comment on peut essayer de repérer ce qui peut se dire à un moment donné dans ce langage constitué, organisé, à l'intérieur d'un espace commun, même si les positions qui y sont occupées sont complètement contradictoires et antagonistes, alors même que cet espace commun n'existe pas. Par exemple, pour le discours sociologique, je suis en train de faire un travail sur Molière et plus particulièrement sur Georges Dandin, une de ses pièces, une de ses comédies. Je crois qu'on peut dire que le théâtre au XVIIe siècle est une des manières de viser des problèmes qui ensuite seront constitués avec d'autres langages, dans d'autres formes, dans le savoir sociologique. Je crois que ce n'est pas revenir à la notion du précurseur, cette idée un peu stupide qui consiste à faire une galerie de portraits et puis à partir de Montesquieu, ou même remonter plus haut, dire voilà quels sont les ancêtres de la sociologie. Je crois que ça n'a aucun sens. En revanche, de comprendre à travers quel type de discours et de formes peuvent se viser des objets qui ensuite seront constitués comme les objets propres du champ sociologique, a du sens. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup, encore une fois, beaucoup de contributions dans ce que tu viens de dire. Moi, je pourrais apporter un autre exemple à côté de celui de Molière, c'est celui du roman au XIXe siècle. Alors, communément, on dit Balzac est le précurseur de la sociologie. D'ailleurs, il s'est pensé comme sociologue, il s'est revendiqué comme sociologue. En fait, pour moi, l'inventeur de la sociologie, enfin, le plus sociologue des romanciers, c'est Flaubert, ce qui surprend souvent, puisque c'est en même temps l'inventeur du roman formel, etc. Et il y a eu, à mon avis à tort, un effort en particulier des romanciers du nouveau roman et de leurs critiques, enfin bon, pour à partir de la fameuse phrase un livre, le livre sur rien, etc., pour constituer Flaubert comme inventeur du roman pur, du roman formel sans objet, etc. Bon, en réalité, Flaubert est le plus réaliste sociologiquement de tous les romanciers, en particulier dans l'éducation sentimentale, et en particulier parce qu'il est formel. Alors on pourrait dire exactement la même chose de Manet, dont les recherches formelles étaient en même temps des recherches de réalisme. Et l'antinomie entre formalisme et réalisme, c'est encore une de ces antinomies stupides, c'est à partir de recherches formelles que, alors là, ça poserait le problème tout à fait compliqué sur lequel j'ose à peine m'aventurer, mais après tout, ça, au moins, ça surprendra par rapport à ce que je dis d'habitude. Je pense que le travail de recherche formelle dans le cas de Flaubert a été l'occasion d'une sorte d'anamnèse sociale, j'emploie le mot délibérément de la psychanalyse, de retour du refoulé social, et Flaubert a, à la faveur d'une recherche purement formelle, enfin d'un roman pur, d'un roman qui ne soit pas simplement le raconter une histoire. Bon. Il a fait un travail qui d'ailleurs lui coûtait 1000 morts. Enfin bon, il faut lire la correspondance. Enfin bon, un travail qui consistait à expectorer, j'allais dire, bon, sa propre expérience du monde social et à faire une objectivation de la classe dominante finalement de son temps.
qui rivalise avec les plus belles analyses historiques. Quand j'avais fait mon travail, ma première analyse de l'équation sentimentale, je l'ai envoyé à un certain nombre d'amis, dont un philosophe qui m'a écrit « Mais écoute, tu ne prends pas position sur ce point. Est-ce que la vision du monde bourgeois, enfin bon, de l'espace social que propose Flaubert est vraie ou non ?» Est-ce qu'elle est sociologiquement fondée? Donc, c'est, bon, alors, ça pose une question. Et je pense que Flaubert n'a pas su lui-même, enfin, bon, qu'il produisait il n'a pas su lui-même complètement. Parce que là, ça poserait le problème de la forme. Parce que c'est à travers un travail sur la forme, et qui était en même temps un travail sur lui-même, un travail de socio-analyse, donc, qu'il produisait, la vérité objective de ce qui lui faisait écrire un roman. Bon, alors là, ça serait très compliqué, mais on a dit naïvement, Flaubert s'identifie à Frédéric, est-ce que Flaubert c'est Frédéric, etc. Flaubert produisait le roman d'un personnage qui occupait la même position que Flaubert dans l'espace social et qui, occupant cette position, n'arrivait pas à écrire un roman. Bref, alors là on pourrait développer à l'infini, mais je pense que ça poserait tous les problèmes de la fonction de la sociologie, enfin le rôle d'anamnèse, de socio-analyse, du rapport entre le roman et le discours scientifique. Alors voilà une question qui moi m'a beaucoup fait réfléchir. Pourquoi, par exemple, lorsque je présente à des lecteurs de Flaubert, à des amoureux de Flaubert, ce qui est dans l'éducation sentimentale et qui ne conteste pas une seconde, c'est-à-dire la traduction en langage sociologique sous forme d'un schéma, du contenu de l'éducation sentimentale. Pourquoi ce qu'ils acceptent comme merveilleux, enfin sûrement je pense que c'est l'éducation sentimentale est un des romans qui provoque le plus de passion littéraire. Quand on se dit que quand c'est retraduit sous la forme plate, objectivante, enfin, du discours scientifique, ça leur répugne, ça les révolte. Alors, je n'ai pas de peine d'ailleurs à éprouver cette expérience. Je pense que j'aurais été révolté par beaucoup d'analyses que je propose aujourd'hui. J'aurais été révolté il y a 20 ans. Et je comprends tout à fait bien cette expérience. Cela dit, ça fait réfléchir sur les formes de l'objectivation. Et je pense que selon les états du champ, les formes d'objectivation seront différentes. Et alors bon, je vais employer une analogie, au risque de paraître compliqué le compliqué, mais c'est un problème qui s'est posé. Les guerres de religion sont la forme que prennent les guerres civiles dans l'état de différenciation des champs où le champ politique n'est pas encore différencié du champ religieux. Bon, voilà. Et à ce moment-là, il y a une espèce de lutte pâteuse où les guerres de paysans sont à la fois des guerres religieuses. Alors poser la question, est-ce qu'elles sont politiques ou religieuses, c'est idiot. Bon, elles sont aussi politiques que possible dans les limites d'un espace où le politique n'est pas constitué comme tel, le champ politique, mais bon, le seul terrain, c'est la religion. Bon, voilà. Et alors de même, je pense que Molière, comme tu l'as montré à propos de Georges Dandin, etc., peut constituer une forme d'objectivation, de sociologie, enfin, de rapports bourgeoisie-noblesse, de lutte de système de classement, etc., etc. Et c'est-à-dire, il dit le plus possible dans l'état des systèmes de censure et dans l'état de la censure spécifique, d'ailleurs associée à ce genre particulier qu'est le roman, qui est le genre le plus politique, d'ailleurs, je crois. Enfin, ça serait, oui, bon, dire le plus possible ou dire autrement, parce que là, on revient à un problème qu'on a traité, qui est ce problème de l'écriture. Il semble, à travers tout ce que tu dis, qu'il y a presque comme une fascination nostalgique par rapport à cette écriture littéraire qui pourrait peut-être dire avec un impact, une force beaucoup plus grande que celle de toute écriture sociologique, même la plus achevée, même la plus réussie, l'objet que tu vises. Alors peut-être que c'est là aussi une question dans l'état du champ, c'est-à-dire à un moment donné, lorsque le discours sociologique n'est pas constitué comme tel, finalement, la littérature, peut-être d'autres formes, mais la littérature largement, occupe tout le terrain. Et elle est à la fois littérature et quelque part sociologie. À partir du moment où on est dans une situation maintenant de compétition, de concurrence, de dualisme, effectivement, la sociologie peut être accusée comme étant par défaut, puisqu'elle ne peut pas rendre dans la langue qui est la langue la plus légitime finalement, qui est celle de la littérature, des objets qui peuvent être communément visés. Et là, on a peut-être un exemple de comment un même type de discours peut changer, non pas parce qu'il change lui-même, mais parce que les circonstances, le champ dans lequel il est prononcé, a lui-même changé. Tout à fait. Bon, je ne peux rien ajouter. C'est non, mais sur l'identification possible, oui. Est-ce que par moment tu voudrais pas être Flaubert? Oui et non, c'est évident qu'il y a une certaine nostalgie. Cela dit, je pense que...
le fait d'être en mesure de comprendre sociologiquement, je crois, hein, les raisons pour lesquelles Flaubert a été Flaubert et pourquoi il n'a pu être que Flaubert à certaines mesures. Bon, c'est ce qui est déjà extraordinaire, mais pourquoi il n'a pas pu être sociologue alors qu'il voulait l'être. Ça, c'est une chose qu'on oublie. Il voulait à la fois être le maître de la langue, le maître de la forme, etc. Bon, et aussi, il n'y a qu'à voir son travail de documentation. Enfin, il voulait à la fois dire le vrai sur le monde social. Bon, le fait donc de savoir cela empêche de rêver de discours qui est un discours aliéné. Enfin, moi, je pense que dans une certaine mesure, le romancier flaubertien, n'a pas pu faire complètement ce qu'il voulait faire. Bon, il n'a pu dire ce qu'il disait sur le monde social parce qu'il le disait sur un mode tel qu'il ne le disait pas, qu'il ne se le disait pas, qu'il ne se l'avouait pas. Peut-être parce qu'il ne pouvait supporter la vérité du monde social qu'il présentait que sous une forme supportable, c'est-à-dire mise en forme. Et alors là, je pense qu'une des fonctions de la littérature, c'est peut-être, et c'est pourquoi très souvent, alors je le dis du fond du cœur, sans aucune hypocrisie, on dit très souvent, mais enfin, vous, sociologues, vous êtes en retard sur les romanciers. Les romanciers ont souvent, je pense, par exemple, Faulkner est un formidable romancier du discours populaire. Voilà, ça paraît très étonnant, mais si j'avais à dire où est-ce qu'on trouve quelque chose comme le langage populaire, ce qu'on entend vraiment dans les interviews, quand on fait des histoires de vie, etc., je dirais c'est Faulkner. Bon. Donc, si les romanciers sont souvent en avance, enfin, par exemple dans la compréhension des structures temporelles, dans la compréhension des structures de récits, dans la compréhension des usages du langage, etc. Bon, c'est en grande partie, je crois, parce que étant occupés par le travail de mise en forme, ils mettent en quelque sorte la réalité à distance. C'est-à-dire, ils touchent la réalité avec des pincettes de forme, bon, et du coup, ils peuvent la supporter. Alors que le sociologue est insupportable parce qu'il dit les choses comme ça, bon, sans phrase, bon, sans mise en forme. Et alors, c'est ce qui fait que la différence de forme, c'est à la fois tout et rien. Et ça explique, je crois, que la transformation que j'opère en transformant l'éducation sentimentale en schéma, bon, c'est à la fois rien. Et personne ne peut contester. Ça ne change rien et ça change tout. Et ça rend insupportable quelque chose qui était charmant. Parce que on l'avait sur un mode, alors c'était le produit d'une dénégation, et c'était redénié par le récepteur, qui comprend tout en comprenant, sans comprendre, et qui a le charme du jouer avec le feu, avec le feu social, qui est quelque chose que personne ne veut connaître. Enfin, oui, là je crois que le rapport entre ces modes d'écriture et la discipline scientifique est différent, évidemment, dans le cadre des deux disciplines, puisque pour l'histoire, il est plus aisé de se mouler dans des formes de la narration ou dans des formes du récit qui peuvent être techniquement empruntées beaucoup plus aisément à la construction littéraire, l'enjeu n'étant pas le même. Alors qu'ici, ce qui est même en jeu, c'est la distance par rapport à l'objet lui-même qui fait la différence. Oui, là, moi, j'ai toujours envie de taquiner mes amis historiens, enfin, qui ont un souci de l'écriture tout à fait légitime, de la belle forme, mais qui, je crois, souvent, s'épargnent les rues de grossièreté du concept, enfin, qui sont extrêmement importantes pour faire avancer la science. Et je pense que le souci du beau récit, qui peut être très important, qui parfois est très important, parce qu'il y a une fonction aussi d'évocation, et une des manières de construire un objet scientifique, c'est aussi de le faire sentir, de faire voir, de l'évoquer, au sens presque michelettien, bien que je n'aime pas beaucoup ça, mais enfin, on peut évoquer une structure. Bon, ça paraît bizarre, mais on peut... Et c'est une des fonctions de l'historien, à la différence du sociologue, qui lui, au contraire, doit dégager l'intuition immédiate. Le sociologue doit débarrasser son lecteur. Il veut lui expliquer une soirée électorale. Et il sait que le lecteur ne sait que trop. Donc, il doit, au contraire, couper. Alors, l'historien, lui, s'il veut parler des moines clunisiens, etc., il doit évoquer la forêt, etc. Il y a une fonction du beau style. Mais parfois, je crois que les historiens sacrifient trop à la belle forme. Et dans cette mesure-là, on retrouverait un autre thème rencontré, ne font pas jusqu'au bout la coupure avec l'expérience première et avec les adhérences esthétiques, les jouissances, enfin bon, du rapport à l'objet. Oui, d'en donner ceci renforcé par ce déplacement que l'on a essayé de décrire vers le retour à des formes où l'acteur social a toute sa dimension et la tentation historique est cette sorte de redoublement du vécu, les âmes mortes
mortes qui doivent revivre à travers le récit. Et c'est là où la référence à Michelet est à la fois puissante, mais en même temps, peut-être est cet obstacle pour la mise à distance et de travailler historiquement dans des configurations très différentes de celles que tu as décrites sur justement cette articulation entre des systèmes de positions et puis d'autre part des constitutions d'individus qui viennent occuper ces positions. Je crois que c'est un des grands débats, et d'autant plus actuel que l'histoire a connu cette trajectoire-là et qui l'a rapproché de plus en plus de la résurrection.